be welcome and let's enjoy the commemoration, after which we're going to have a culture show in Walubilis. So the party will continue this afternoon. So, mesdames, je vous souhaite le bienvenu. Et nous allons commencer avec le symposium ici. Après, nous allons à Walubilis pour la fête culturelle. To start this afternoon, we're going to have... Alors, au début de cet après-midi, nous allons recevoir Madame Dobet, accompagnée d'un groupe de jeunes immigrés. Qui reçoivent l'aide de l'ASBL Exil, dont les membres sont présents ici dans la salle. Ils vont interpréter l'hymne ACP. Ensuite, des membres du personnel ACP, Dr Nathalie Kourikoulis et Mme Eva O'Reilly. Mesdames et messieurs, ACP, nous avons Madame Dobet Gnahoret de Côte d'Ivoire, qui est accompagnée par les jeunes migrants et des membres des staff CP. So, ladies and gentlemen, please give a warm welcome to our singers, and may I ask you to please stand up for the ACP anthem. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, pour les hymnes ACP. ACP, 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 l'espoir est renouvelé, les chemins s'élargissent davantage. Lorsque le monde s'éprend de liberté, lorsque l'on cultive les sillons de la solidarité, l'aube se rapproche au son de l'unité. Sur le socle de la communion de nos peuples, flottera le drapeau qui nous guidera. ACP, 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 l'espoir est renouvelé, les chemins s'élargissent davantage. Lorsque le monde s'éprend de liberté, lorsque l'on cultive les sillons de la solidarité, l'aube se rapproche au son de l'unité. Sur le socle de la communion de nos peuples, flottera le drapeau qui nous guidera. ACP, 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 ah, ACP, 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 nous sommes la voix d'une raison, d'une histoire qui trouve sa source dans cette chanson. L'expression de nos rêves et de nos désirs d'aller de l'avant et de vivre dans un monde d'amour et de paix. ACP, ACP, ACP. Merci. Thank you very much.
Thank you very much. Thank you. So, ladies and gentlemen, to start the afternoon, I would like to welcome. Maintenant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Son Excellence, l'ambassadeur Roy Mickey Joy, ambassadeur du Vanuatu et président du comité des ambassadeurs. Thank you, madame. Thank you. Merci, docteur Pendo. Merci des paroles que vous avez tenues à mon endroit. Vous avez reçu la responsabilité d'assurer la coordination de cet événement. Un ministre des Affaires étrangères des Comores, Son Excellence Dr Abdullah Karim Mohamed, Excellence Monsieur Quadrago, président de SOAS, président de la commission de la CEDAO, ambassadeur, c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici à la maison ACP. Je vois que notre ancien doyen, l'ambassadeur du Togo, devait être présent, mais il y a quelques minutes, il m'a dit qu'il avait un rendez-vous chez le médecin et j'espère qu'il pourra venir nous rejoindre plus tard. Excellence, qu'il me soit également permis de souhaiter la bienvenue à tous les invités qui ont accepté notre invitation. Et je voudrais donc saluer l'ambassadeur de Maurice à Bruxelles, l'ancien ambassadeur, ainsi que l'ambassadeur Nabinda, ancien sous-secrétaire général des groupes ACP du Burundi. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à un ancien ami, à M. Achille Bassilekin, qui est parmi nous aujourd'hui. Et je suis désolé d'avance pour ceux que je n'ai pas mentionnés. Chers invités, excellences, mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui c'est un jour très important, car c'est l'anniversaire de la naissance du groupe des États ACP. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous aux célébrations célébrant le 40e anniversaire du groupe ACP, en ma capacité de président du comité des ambassadeurs. Chers collègues, j'utilise le mot célébration et je le sciemment, car au cours des 40 dernières années, en tant que groupe, nous avons remporté plusieurs grands succès. Nous avons apporté notre contribution à l'amélioration de la vie de nos peuples, de nos nations, de nos 6 régions du groupe ACP. Mesdames et messieurs, une exhibition se tient en bas et elle témoigne de cette relation et amitié unique que nous avons construite au cours des dernières années. Il est également juste de dire que nous avons rencontré certains défis sur notre chemin. Le 40e anniversaire, par conséquent, nous donne l'occasion de non seulement célébrer nos succès, mais également réfléchir sur les différentes idées et les défis que nous avons rencontrés à la mesure que nous allons vers l'avenir. Surtout à un moment où nous voulons améliorer l'efficacité de notre groupe ACP comme en tant qu'acteur sur la scène internationale. Chers collègues, honorable ministre, ambassadeur, excellence et chers collègues autour de la table, au cours des 2 prochains jours, le 6 juin de 1975, à Georgetown, au Guyana, le groupe ACP a vu le jour. Alors oui, nous avons parcouru beaucoup de chemin. Cela fait déjà 40 ans. Ici même, nous tenons la réunion du comité des ambassadeurs de manière régulière. Nous discutons de l'avenir de notre groupe. Je voulais également partager avec vous qu'au cours de la célébration, nous, en tant que citoyens ressortissants des pays ACP, nous devons pouvoir partager, échanger sur ce que sera l'avenir de notre groupe. Car là d'où je viens, dans le
une petite île insulaire. À l'origine, il n'y avait que Samoa, Tonga et Fidji qui étaient signataires de l'accord de Georgetown à l'origine. Tous les autres ont rejoint le groupe après les négociations de Lomé. Heureusement, avec l'accord de Cotonou, maintenant nous en sommes 15. Je voulais souhaiter la bienvenue à mon collègue du Forum pour le Pacifique et qui représente notre secrétaire général qui n'a pu se rendre ici cette journée. Donc voilà, vous avez, la région présente ses excuses. Au cours de l'après-midi, chers collègues, et toute la journée de demain, nous allons étudier ces questions ensemble avec nos partenaires. Et les discussions seront modérées par mon collègue ambassadeur. Je vous rassure, nous allons commencer avec donc les différentes discussions seront parsemées de représentations culturelles. De plus, comme vous pouvez le voir dans le programme, buffet déjeuner sera offert par les ambassades demain au déjeuner et vous pourrez donc goûter les différents mets de la Caraïbe, du Pacifique et de l'Afrique. Selon moi, le moment le plus marquant sera le spectacle culturel qui se tiendra ce soir à Volubilis, suivi d'une réception à Volubilis. Excellence, chers invités, mesdames et messieurs, il serait négligent de ma part de ne pas, une fois de plus, féliciter officiellement le docteur Patrick Gomes, notre nouveau secrétaire général. Il est maintenant le chef de notre direction. Bien entendu, l'esprit avec lequel le docteur Gomes dirige notre secrétariat est très marquant. La semaine dernière, nous avons eu le privilège de tenir notre 101e session de notre conseil des ministres, suivi de la 40e session du conseil des ministres conjoints ACP-UE. Et je voulais vous dire qu'il y a plusieurs entraves. Et grâce à la réunion du conseil conjoint, nous avons pu en surmonter. Et nous avons pu abattre du travail pour permettre au secrétariat d'avancer vers la réalisation de ces objectifs. Chers collègues, je m'arrêterai là, mais je voudrais donc saluer le secrétaire général et son équipe. Je voudrais également saluer l'ambassadeur du Tchad qui est parmi nous et qui est à la tête du groupe de travail spécial sur les commémorations du 40e anniversaire du groupe ACB. Ambassadeur du Tchad, vous avez tout mon soutien et nous sommes ravis que votre participation et votre leadership ont permis d'organiser l'événement de ce jour. Excellences, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue une fois de plus aux célébrations du 40e anniversaire du groupe ACP. Je vous remercie de votre aimable attention et merci d'avoir accepté l'invitation du secrétaire général de faire partie de ces célébrations importantes. Je vous remercie infiniment. Of Comoros, who is with us this afternoon, His Excellency Dr. Abdul Karim Mohamed, to say a few words of welcome. Dr. Abdul Karim Mohamed va dire quelques mots à l'Assemblée. Excellences, messieurs les ambassadeurs, monsieur le secrétaire général, je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour célébrer les 40 ans d'existence de notre organisation. Les ACP, pour mon pays, est une famille dont nous sommes fiers d'en faire partie. Et c'est pour cela que mon pays a souhaité, à travers ma présence, témoigner sa solidarité.
je suis particulièrement heureux parce que mon pays, l'Union des Comores, est justement jeune de cette organisation de seulement un mois. Nous avons acquis notre indépendance seulement le 6 juillet 1975. Donc dans un mois, nous allons aussi fêter les 40 ans de notre indépendance. Par ailleurs, je félicite l'organisation, en fait le secrétaire général pour cette organisation, pour la pertinence des thèmes retenus, sachant que nous sommes actuellement en train de réfléchir sur l'agenda post-2015 pour le développement. Donc les thèmes retenus cadrent bien avec ce calendrier mondial. Je n'avais pas prévu de parler, donc je ne vais pas trop m'éterniser parce qu'on a un peu grignoté sur le temps pour que je puisse intervenir, donc je ne vais pas monopoliser la parole, mais je ne peux pas abandonner le micro sans féliciter le secrétaire général pour ses nouvelles fonctions et lui souhaiter beaucoup de réussite dans ses missions. J'en appelle à tout le monde, pour finir, pour plus de solidarité et que vive la coopération internationale. Je vous remercie. And for this, I'll hand over to our... Le président de séance va donc prendre le relais. Et dans l'intervalle, nous allons installer les orateurs qui sont prévus pour la suite des travaux. L'ambassadeur de la Barbade, M. Chandler, va donc diriger nos travaux à partir de maintenant. Bien, merci et bienvenue à tous. Je crois que toutes les remarques d'un président ont déjà été faites. Nous pouvons donc sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. Il m'a mâché le travail. Je dois admettre que... Enfin, je voudrais vous dire que dans cette session, il s'agira principalement de perspectives régionales concernant l'avenir de ce groupe. Au cours de ces derniers mois, ces dernières années même, dans ce groupe, nous avons beaucoup réfléchi à cette question à travers notre groupe de travail sur les perspectives d'avenir du groupe des ACP. En fait, nous avons beaucoup fait déjà sur cette question. Un rapport a déjà été fait d'ailleurs à notre Conseil des ministres à cet égard. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est compléter simplement cette démarche, ces réflexions. Parce que l'affaire n'est pas encore terminée, puisque nous avons un groupe d'éminentes personnalités qui a également réfléchi à cette question et qui va, lui aussi, faire son rapport. Ce qui signifie que le débat n'est toujours pas clos. Toutes les idées, tous les points de vue sont encore bienvenus d'ici au sommet des chefs d'État et de gouvernement de notre groupe, dont nous espérons toujours qu'il se tiendra cette année. Mais pour aujourd'hui, il s'agira de perspectives régionales à nouveau, puisque nous n'avons pas pu effectivement recueillir ces perspectives-là dans le courant du travail qui a d'ores et déjà été fait. Il y a quatre thèmes qui nous sont proposés dans ce cadre-là, qui sont autant de points de vue de regroupements régionaux au sein de notre groupe, qui est très diversifié dans sa composition, vous le savez. Et toutes ces perspectives, nous l'espérons, vont se fondre en une
qui nous permettra de faire avancer notre organisation dans l'avenir. Le premier de ces thèmes est le défi des petits États insulaires en développement du Pacifique et leur relation avec les autres États ACP. À titre personnel, je viens de la Barbade, je viens donc d'un petit pays insulaire en développement. Je puis vous dire que ce thème, nous ne le prenons pas à la légère du tout. C'est un véritable défi. Et même nos partenaires au développement, au moins certains d'entre eux, reconnaissent aujourd'hui la gravité de la situation. Ils le disent, ils l'écrivent. La situation est grave. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à son Excellence, M. Mere FALEMAKA, représentant permanent du Forum des îles du Pacifique à Genève, qui va donc nous présenter sa perspective, son point de vue. Madame. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les ambassadeurs, représentant les États du groupe des ACP, monsieur le président du comité des ambassadeurs, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les présidents de communautés économiques régionales, représentants de l'Union européenne, mesdames et messieurs, en vos titres et grades respectifs. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous faire part des regrets du secrétaire général de la présidente du Forum du Pacifique, qui n'a pas pu se joindre à nous à l'occasion de cette célébration du 40e anniversaire de notre groupe en raison d'engagements auxquels elle était assujettie dans la région. Je voudrais vous adresser également ces sincères salutations, Monsieur le Secrétaire Général, et ces félicitations pour votre nomination à ces hautes fonctions. Elle vous adresse également ses remerciements pour l'invitation que vous lui avez adressée. Avant d'aller plus loin, je voudrais redire à tous ici nos salutations les plus chaleureuses, celles des pays du Pacifique. Comme nous venons de l'entendre du président, nous avons été invités à évoquer ici le thème des défis des petits États insulaires en développement du Pacifique, de leurs relations avec d'autres États ACP. Ceci dans le cadre de la réflexion plus générale autour des perspectives d'avenir de notre groupe. Cette thématique est extrêmement importante pour nous, eu égard à ce qui a été dit tout à l'heure, mais plus loin, il s'agit de notre futur, de notre avenir commun en tant que groupe des États ACP. Notre futur, notre avenir, nous, et également le futur de nos relations avec notre partenaire européen. Je reviendrai sur quelques contraintes que nous, PEID, connaissons. Et ensuite, je voudrais vous dire notre vision de nos relations avec les ACP dans l'avenir. Le voyage a été long, effectivement, depuis Georgetown, il y a 40 ans. Le groupe s'est beaucoup élargi depuis. Mais la complexité des questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui s'est également approfondie. En tant que groupe, nous sommes confrontés à de nombreux défis. La gestion de nos ressources maritimes, halieutiques en particulier, les effets des changements climatiques, le développement économique nous fuit encore pour la plupart des pays de notre région, en tout cas alors que notre dépendance de l'aide publique au développement reste très élevée. En tant que petits États insulaires en développement, les contraintes qui nous assaillent viennent également de nos caractéristiques naturelles. Nous sommes petits, avec très peu de ressources naturelles, et ce qui s'ajoute à notre dispersion et à notre éloignement géographique. Notre petite taille empêche les économies d'échelle,
et nos petites économies sont extrêmement vulnérables aux chocs économiques exogènes. Nous reposons beaucoup sur le pétrole, sur le gaz importé, ce qui pèse sur nos économies. La hausse de l'incidence des maladies transmissibles, non transmissibles, notre dépendance alimentaire sont également autant de contraintes. Le développement démographique également, notre population s'accroît alors que nos ressources, elles, ne s'accroissent pas. Mais le changement climatique est ce qui nous préoccupe le plus. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus nombreuses et intenses. Nous l'avons vu récemment avec le cyclone PAM en Vanuatu. Le rehaussement du niveau de la mer ou des océans constitue un danger de plus en plus présent pour certains de nos États membres, certaines de nos îles. Pour ce qui concerne maintenant la riposte à ces contraintes, nous l'avons fait à la manière collective à travers des initiatives de coopération régionale. Le plan adopté par nos leaders en 2005 et confirmé en 2007 est l'une de ces initiatives justement qui va nous permettre de renforcer notre croissance économique, le développement durable, la bonne gouvernance et la sécurité. La croissance économique doit être durable si nous souhaitons vraiment nous sortir de ces contraintes. Pour cela, la contribution du secteur privé sera extrêmement importante. La démarche est régionale, donc, et c'est la raison pour laquelle nous avons conclu en 2001, commencer les négociations d'un accord de partenariat économique avec l'Union européenne, mais en même temps, des relations économiques de toujours plus proches avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Tout cela devrait nous permettre d'asseoir une croissance économique durable, nous l'espérons. Les problèmes de transport, d'énergie nous assaillent aussi et c'est pour cela que nous avons lancé des solutions innovantes comme, par exemple, un régime de franchise en matière de transport maritime, le recours de plus en plus important aux énergies renouvelables. Justement, en matière de changement climatique, notre démarche est une démarche collaborative pour asseoir des programmes d'atténuation et de prise en charge des chocs causés par le changement climatique. Et toutes ces initiatives combinées, nous l'espérons, vont nous permettre d'aller vers un développement durable. Ceci dit, toutes ces initiatives sont en train d'être réexaminées dans le contexte d'un nouveau cadre régional du Pacifique que nos leaders ont demandé en 2014. Cette démarche doit nous permettre d'aller vers une régionalisation plus poussée, qui a été déjà envisagée d'ailleurs dans le plan du Pacifique. Nous reconnaissons que nous partageons les mêmes contraintes. Nous avons également les mêmes points forts sur lesquels il s'agit de s'appuyer pour trouver des solutions communes, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan politique. Il est important de se rendre compte que la régionalisation à elle seule ne pourra pas résoudre tous les problèmes, mais elle permettra d'améliorer les conditions de vie de nos peuples. Les quatre principes qui sous-tendent ce cadre sont l'accent qui est mis sur la discussion, la négociation politique entre nos pays dans la région, l'architecture nouvelle de la vie régionale, qui doit être plus efficace pour le bien de l'ensemble de nos pays, une plus grande inclusivité également qui doit nous voir encourager tous les membres de la communauté du Pacifique, notamment la société civile et le secteur privé, à venir contribuer à la réalisation des priorités régionales. Ensuite, le paradigme du développement doit changer. Nos pays, autant que nos leaders, doivent s'approprier la nécessité d'une démarche commune vis-à-vis du développement. Notre région doit être plus intégrée pour être plus réactive aux besoins de ses membres. Je voudrais à présent en venir aux relations qui unissent le Pacifique et les ACP.
Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est différent de celui dans lequel l'accord de Georgetown a été signé il y a 40 ans. Nous savons que la régionalisation, je le disais tout à l'heure, ne suffira pas à prendre en charge les défis fort nombreux qui nous assaillent. Beaucoup de ces défis requièrent des actions, des solutions nationales certes, mais également internationales. Et les relations fortes entre nos États et les États du groupe ACP au sens large vont devenir de plus en plus importantes dans ce contexte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les défis auxquels les PUID du Pacifique sont confrontés ne sont pas nouveaux. D'ailleurs, d'autres petits États insulaires dans les Caraïbes et dans la Commission de l'Océan Indien les connaissent également. Nous savons leur nature. En fait, le plan d'action de la Barbade de 1994, la stratégie de Maurice et plus récemment l'initiative de Samoa qui a été convenue l'année dernière au cours de la conférence des Nations Unies sur les PUID témoignent bien du fait que les PUID constituent un cas particulier au regard du développement durable. C'est une reconnaissance de leur vulnérabilité économique, mais également écologique. Ces instruments, cependant, représentent une riposte à la vulnérabilité des PUID. Mais la contrainte principale pour le Pacifique et pour les PUID consistera à traduire ces engagements internationaux en solutions pratiques, concrètes, en actions susceptibles de résoudre nos problèmes de développement durable. D'où l'importance du groupe des ACP et des relations qui nous unissent à ce groupe. Les ACP doivent rester pertinents dans cet environnement en transformation, en mutation constante. Nos relations avec les États ACP revêtent la plus grande valeur pour nous. La solidarité, l'unité sont le réceptacle de notre un progrès à tous, au-delà des Nations Unies, bien sûr, qui sont le réceptacle le plus grand. Il y a également le groupe des ACP qui reste un cadre extrêmement important pour le développement économique durable des PEID. Et donc, nous nous félicitons de la décision qui a été prise récemment de mettre en place un forum des PEID au sein des ACP. Il s'agit d'un mécanisme qui va commencer justement le travail de traduction de ces engagements internationaux en actes pour nous permettre de relever les défis que je viens d'évoquer. Le Pacifique se tournera également vers les ACP pour un renforcement de nos relations au-delà d'une simple coopération, selon ce que je viens de dire tout à l'heure, pour toucher d'autres domaines, de nouveaux domaines qui n'ont pas encore été abordés encore. Nous aurons à y réfléchir tous ensemble. Nous considérons que les ACP sont d'une importance majeure pour nous aussi, en raison du rôle que ce groupe, cette organisation joue dans nos relations avec notre grand partenaire, l'Union européenne. Les accords de partenariat économique fondent aujourd'hui dans une grande mesure nos relations avec l'Union européenne, mais nous souhaitons vivement que ces accords régionaux-là ne constituent pas le premier pas vers une division entre nos pays. Ils doivent constituer plutôt des instruments de développement. Les ACP restent donc une institution particulièrement importante pour nous dans ces relations que nous entretenons avec l'Union européenne. Nous nous félicitons du processus qui a récemment été convenu et qui a été évoqué tout à l'heure par le président du comité des ambassadeurs visant à lancer ce processus de réflexion sur les perspectives d'avenir de notre groupe, bien sûr, et de ses relations avec l'Union européenne après l'expiration de l'accord de Cotonou. Nos pays sont trop petits, malheureusement, pour attirer l'attention des grands acteurs de la vie de ce monde. Si vous y regardez,
Alors, géographiquement, nous sommes tout proches des dragons de l'économie mondiale actuelle en Asie du Sud-Est. Nous sommes aujourd'hui sous leur ombre, d'où l'importance pour nous d'avoir une organisation comme les ACP qui nous permette de disposer d'une masse critique qui nous permette de parler à ces acteurs de la vie mondiale là, sur une base égalitaire. Les ACP sont un apport crucial pour nous, les PEID, donc dans la... C'est sur la scène mondiale. Et cela, nous l'avons vu, nous le voyons tous les jours dans le processus de Genève. Le groupe des ACP est un acteur reconnu dans les négociations qui se déroulent au quotidien à l'OMC. En même temps, pour nous, les ACP devraient également utiliser ce poids qui est le leur dans d'autres cercle où des décisions également importantes se prennent. Ce sera le cas à la fin de cette année, notamment à Paris, la réunion du changement climatique, les travaux de la 10e conférence ministérielle de l'OMC à Nairobi. Donc la nécessité de la cohésion, de notre présence dans tous les processus dans lesquels ces négociations se déroulent, dans toutes ces institutions-là, doit être reconnue. C'est ainsi que nous contribuerons aux efforts de développement durable de tous nos États membres, notamment des PEID. Nous devons faire très attention donc, à œuvrer ensemble, collectivement, dans tout ce qui est susceptible aujourd'hui de nous mener vers notre développement. Nous avons des priorités essentielles dans le domaine du financement du commerce, par exemple, du financement du climat également, pour développer une architecture qui nous permette de mieux absorber les chocs, de mieux tirer profit des opportunités commerciales également. Donc voilà quelques réflexions que nous souhaitions porter à votre attention cet après-midi. La réflexion doit être collective. Nous sommes ensemble depuis une quarantaine d'années maintenant. Ce n'est pas rien. Il est temps effectivement de réfléchir à de nouvelles manières de faire dans nos relations avec notre partenaire européen, mais également au-delà. Je vous remercie de votre attention. Cannot say that, Alors, on ne peut pas dire que nous n'avons pas reçu le point de vue du Pacifique et des PEID. Maintenant, nous allons passer au sujet suivant. En fait, nous devons le sauter parce que l'orateur qui devait prononcer son allocution n'est pas disponible en ce moment. Nous espérons qu'elle pourra venir plus tard. Nous en venons par conséquent au troisième sujet, les APE en tant qu'outil de développement, questions institutionnelles et de mise en œuvre dans les Caraïbes. Et la plupart d'entre nous savent que la Caraïbe ont signé un APE complet et nous sommes en cours de mise en œuvre de cet APE. À plusieurs reprises, j'ai dit que tout n'est pas parfait, même si on nous donne de l'espoir. Maintenant, vous allez l'entendre non seulement de moi, mais d'autres également dans la Caraïbe. C'est donc d'entendre le docteur Percival Marie, qui est le directeur général du Forum des Caraïbes, le Cari Forum, qui peut nous parler donc de ce processus sur les APE. Nous l'écoutons maintenant. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Et en fait, je suis le coordonnateur de la mise en œuvre des APE dans la Caraïbe. Monsieur le Président, Honorable Ministre, Président du Comité des Ambassadeurs, Monsieur le Secrétaire Général du groupe ACP, chers membres autour de la table, chers
Excellences, les ambassadeurs, chers collègues, le thème de du 40e anniversaire est de Georgetown à Sipopo. Hier, je suis venu de Georgetown à Bruxelles. Je suis venu de Georgetown à Bruxelles pour m'entretenir avec vous, donc au nom du secrétaire général du CAI Forum, qui n'a pu faire le déplacement et qui m'a demandé d'agir en son nom. Il aurait aimé être présent, mais malheureusement, il n'a pu le faire. Peut-être que je vous paraîtrai un peu négatif aujourd'hui, mais ça, la raison est due à la nature du sujet que je dois aborder. On m'a demandé de parler des questions institutionnelles et de mise en œuvre de la mise en œuvre des APE. Je vais faire de mon mieux pour vous donner le point de vue de la Caraïbe. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM et l'Union européenne ainsi que ses États membres a été signé le 15 octobre 2008. L'accord a été mis en application dès le 29 septembre 2008, donc de manière provisoire. Donc, j'ai bien spécifié entre l'Union européenne et ses États membres, alors que la partie caribéenne, elle, a signé les APE de manière individuelle dans chaque État. Je le dis parce que je ferai un lien avec d'autres questions que je vais évoquer. La dernière réunion des comités commerce et développement, qui est l'organe technique de la mise en œuvre des APE, a remarqué que cet CARIFORUM et 16 États européens ont ratifié l'APE. Je pense qu'il y a un État de plus qui a ratifié depuis lors. Bien entendu, la Croatie a rejoint l'Union européenne et cela représente un autre problème encore. Tous les États du CARIFORUM qui sont partis de l'accord, à l'exception d'Haïti, mettent en œuvre provisoirement les APE. Haïti est le seul État de la Caraïbe qui est parti à l'accord et qui n'a pas encore mis l'accord en application. Et je parle des États de la Caraïbe partis à l'accord, car Cuba est un membre du CARIFORUM, mais n'est pas parti à l'accord de partenariat économique. L'APE CARIFORUM UE a été négocié et signé sur la base du principe qu'il y aura un mécanisme, un outil pour promouvoir le développement durable des États du CARIFORUM. La déclaration conjointe sur la signature de l'APE apporte une révision exhaustive de l'accord par les parties, je cite, pas plus tard que 5 années après la date de signature et toutes les 5 années afin de déterminer l'impact de l'accord, hein, y compris les coûts, les conséquences de la mise en œuvre. Les parties également, je cite, entreprennent d'ajuster l'application et d'amender les dispositions le cas échéant. Le processus de révision est en cours et une réunion conjointe entre les ministres du CARIFORUM et de l'UE se tiendra au Guyana. Le conseil conjoint profitera d'une étude intitulée « Surveiller la mise en œuvre et les résultats de l'APE CARIFORUM APE commandée par l'Union européenne ». Une étude entreprise par la Commission de l'Union des Nations Unies, entreprise pour le compte de la Caraïbe. Un résumé des résultats de ces deux études façonne cette présentation sur les questions institutionnelles et de mise en œuvre des APE. J'aimerais commencer en identifiant les questions, en décrivant ce que nous avons conclu et ce qui est selon nous les questions institutionnelles et de mise en œuvre. Un certain nombre
de questions institutionnelles et de mise en œuvre, de défis ont été identifiés. Je vais vous donner un aperçu. Première question, les ressources humaines et financières disponibles pour coordonner la mise en œuvre des APE et les différentes activités qui y sont liées. Cela se manifeste dans de nombreuses formes, à savoir une capacité technique limitée dans des domaines clés dans le secteur public, par exemple sur les questions relatives aux normes, une capacité limitée à coordonner la mise en œuvre dans différents domaines. Une fois de plus, cela est rendu compte dans des unités de coordination pour les services APE. Chaque PE doit avoir mis en place une unité de mise en œuvre des APE. Je dois dire que très peu de pays l'ont fait en raison du peu de personnes qualifiées pour le faire. D'autres personnes, d'autres responsabilités. Et les APE est une charge de travail supplémentaire pour nombre de personnes. Donc l'accent technique, la coordination nécessaire n'est pas apportée. Il y a limitation des capacités dans l'identification d'autorités compétentes. Chaque pays doit établir son autorité compétente et sincèrement, une fois de plus, c'est une agence, une institution existante qui a été désignée pour assumer ses fonctions supplémentaires et la plupart du temps sans avoir de ressources supplémentaires, qu'il s'agisse de ressources financières ou de personnel. Il y a également une capacité de rédaction de textes législatifs réduite. Si nous voulons nous acquitter de nos obligations sur les APE, cela exige des changements dans les législations existantes. Et la capacité de rédaction des textes juridiques nous restreint dans notre possibilité de mettre en application les législations nécessaires pour la mise en œuvre des APE. Au niveau national, il y a un autre ensemble de questions qui représentent des défis, à savoir le manque d'institutions techniques au niveau national. Vous serez peut-être surpris si je vous dis que dans certains pays, ils n'ont même pas de bureau pour les normes. Si vous ne respectez pas les normes pour les exportations de certains produits, eh bien, cela représente de véritables problèmes. Certains de nos pays n'ont pas d'autorité qui règle les questions sur la concurrence. Ils n'ont pas d'autorité qui est en charge des passations de marché. L'organisation des droits de la propriété intellectuelle l'a déclaré. Nous avons des obligations et nos États ne sont pas à même de remplir leurs obligations car les institutions qui doivent se charger de ces questions n'existent pas dans certains cas. Ce n'est pas que nous n'avons pas les capacités, c'est que les institutions n'existent simplement pas. Par conséquent, nous ne sommes pas capables de donner l'attention nécessaire pour de telles questions. Lorsque ces institutions existent, il y a des limitations dans leur capacité. Par exemple, lorsque nous avons des institutions qui se penchent sur la qualité des infrastructures, il y a des problèmes de certification. Car il ne peut y avoir une telle institution dans chaque État membre. D'un point de vue économique, cela n'est pas... Cela n'est pas logique. Donc il y a une certaine inadéquation dans les questions liées à la certification, surtout pour les exportations. Ensuite, il y a les institutions nationales qui apportent un soutien au secteur privé. Et sincèrement, si nous devons profiter de la... Si un secteur doit profiter des APE, c'est le secteur privé qui en bénéficiera.
Mais je peux vous dire que dans le domaine des services, par exemple, nous avons convenu d'utiliser les mécanismes de coalition nationale des services pour améliorer les services. Toutes ces institutions sont soit à leur balbutiement, très faibles, ou dans certains cas n'existent pas du tout. Donc il n'y a pas d'organisation pour apporter le soutien pour le développement des services. En général, ce sont des organisations de soutien au secteur privé qui sont très faibles. Il y en a, mais dans certains pays, le secteur privé n'a pas de soutien. Il n'y a pas de base sur laquelle s'appuyer pour se développer. Et c'est profiter de l'APE. Ensuite, le financement pour le développement n'est pas bien organisé, car il n'y a pas d'institutions. Il n'y a également pas de recherche et d'innovation pour les capacités. Donc les APE resteront un défi pour nous et pour notre secteur privé. Maintenant, je veux passer à la mise en œuvre, aux questions de mise en œuvre au niveau national et institutionnel. Pour dresser le contexte, les États Caribéens Forum ont signé les APE en leur capacité individuelle d'État. L'approche sur la facilitation et la mise en œuvre des APE a pour but de trouver les ressources rares pour relever les défis qui se présentent au groupe ACP. Cependant, le CARI Forum n'est pas un groupe intégré, c'est un groupe qui coopère. La plupart des membres font partie du CARICOM, qui est un groupe d'État intégré. Vous pouvez voir à quel point dans quelle mesure cela représente des difficultés dans la conception des APE pour la création et l'utilisation d'une facilité régionale pour faciliter la mise en œuvre des APE. D'une part, le CARI Forum est un groupe de coopération et d'autre part, CARICOM est un groupe des États intégrés. Donc la plupart des institutions qui existent au niveau national sont des institutions du CARICOM et n'ont pas de mandat CARI Forum. Donc ça, c'est au niveau institutionnel. C'est l'un des défis que nous rencontrons. Certains défis au niveau régional sont les mêmes que ceux que je viens de décrire pour le niveau national. Ressources limitées, ressources en main-d'œuvre et ressources financières limitées. Cela est un problème majeur. Mon bureau est chargé de la coordination de la mise en œuvre des APE dans la région et je peux vous dire que j'ai 4 membres dans mon bureau. Un directeur, un expert sur les services. Je viens de perdre deux autres experts. Donc des dispositions sont prises pour qu'il y en ait 5, mais j'en ai 3. Et vous n'en croirez pas vos oreilles si je vous dis, mais je vais vous le dire quand même. Les opérations sont financées à 100% par des subventions de l'Union européenne. Donc vous pouvez comprendre que le centre d'attention de cette unité s'inscrit dans un accord que nous devons négocier avec l'Union européenne. Et je ne pense pas que je dois vous en dire beaucoup plus. Donc nous nous concentrons sur l'atteinte d'objectifs et remplir nos engagements en premier lieu. Les limitations financières limitent le soutien que les États membres peuvent nous donner. Cela restreint également le travail que nous pouvons entreprendre. En fait, pour que nous puissions apporter une véritable contribution, il faut que nous demandions le soutien de la Commission pour les Nations Unies pour l'Amérique latine, car nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas non plus les finances, les financements, les fonds nécessaires pour pouvoir mener à bien ces travaux. Nous ne pouvons pas appuyer les États membres
à mettre en œuvre certaines mesures qui nécessiteraient un soutien financier additionnel. Donc vous pouvez comprendre le type de défi que nous rencontrons d'un point de vue régional, ce que nous ne pouvons même pas appuyer nos États membres à mettre en œuvre les recommandations que nous-mêmes formulons d'un point de vue technique. Il y a également une limitation des capacités dans d'autres institutions régionales existantes. Ici, je vais vous donner quelques exemples. Je parcours rapidement les différents défis que nous rencontrons. L'Agence de développement pour l'exploitation de la Caraïbe est une agence pour le développement du secteur privé. Elle rencontre des contraintes financières graves et ses ressources humaines sont limitées. Elle est tributaire de l'Union européenne pour plus de 50% de son financement et nous tentons désespérément de diversifier nos sources de financement. Mais vous savez quoi? Eh bien, quoi que la communauté internationale dise sur l'aide sans contrainte, eh bien, dans la pratique, nous avons du mal à attirer des deniers autres que de l'Union européenne pour développer des activités pour appuyer les exportations vers l'Union européenne. Donc, ça, c'est notre expérience de terrain. Il y a également des capacités limitées de la Coalition nationale pour les services qui a pour but de promouvoir et développer les services dès l'exportation. Les organes nationaux ne reçoivent pas le soutien qu'ils auraient dû recevoir des États membres. Par conséquent, il y a une faiblesse omniprésente dans ce réseau. Les contraintes financières pour l'organisation de la Caraïbe, pour les normes et la qualité de qui nous dépendons à des fins de certification, afin de nous lier avec des centres d'excellence sur les normes, eh bien, leurs contraintes financières sont assez graves. Et vendredi, ils ont certainement présenté leur budget au Conseil des ministres et je peux vous dire qu'il y a de très grosses contraintes. Si je devais vous faire une anecdote, je me souviens, une fois, je me suis rendu à une réunion politique à très haut niveau où une décision a été prise pour créer une organisation régionale. La décision a été prise à cette réunion, un instrument a été signé à cette réunion et l'institution a vu le jour à cette réunion, mais les gouvernements le gouvernement a dit qu'il n'était pas capable de financer la première année. Donc imaginez-vous les contraintes financières rencontrées par les institutions régionales. Des défis similaires sont rencontrés par la Commission pour la concurrence de la Caraïbe. Et il y a un manque d'organes qui traitent des questions de concurrence dans nos États membres. Il y a également des contraintes institutionnelles graves au sein de l'Association de la Caraïbe pour l'investissement. Et de plus, il n'y a que des organisations de portée limitée qui se chargent des droits de propriété intellectuelle. Et lorsqu'il y en a, elles rencontrent des contraintes majeures. Il y a également un manque d'organes régionaux avec lesquels négocier des accords mutuels avec nos homologues des États de l'Union européenne. Ici, je viens maintenant au point sur les États membres de l'Union européenne. Pour ceux qui connaissent les accords de partenariat économique, vous vous rendrez compte que pour obtenir un accès aux services professionnels sur le marché européen, il faut négocier avec les organes professionnels dans chaque État membre séparément, car l'Union européenne la Commission dit qu'elle n'a pas de compétences dans ces matières et que cela appartient aux juridictions nationales de chaque État membre de l'Union européenne. Par conséquent, nous ne pouvons négocier avec un organe européen. Nous devons créer une organisation régionale pour cette profession, par exemple l'architecture, les ingénieurs. Ensuite, nous devons
nous rendre dans chaque État membre de l'Union européenne séparément pour, pour entamer des négociations, pour obtenir un accord de reconnaissance avec cet organe professionnel. Et donc tout ça dans le but de vendre nos services sur le marché européen. En toute sincérité, nous n'avons même pas ces organes professionnels au niveau régional. Donc il faut les créer et renforcer les capacités. Et ensuite, nous livrer à des négociations avec les États membres de l'Union européenne sur une base individuelle. Alors imaginez-vous l'envergure de la tâche à accomplir. Bien entendu, il y a une inadéquation entre les facilités de transport pour le commerce extra-régional. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Ma collègue du Pacifique a décrit parfaitement la situation dans la Caraïbe. Ensuite, il y a des questions de mise en œuvre institutionnelle que j'aimerais aborder rapidement. Donc, les questions qui sont déjà présentes dans l'accord lui-même. Ici, je viens d'en décrire une dans le domaine donc des services professionnels. L'Union européenne n'est pas compétent dans certains domaines et donc nous devons faire des négociations avec chaque État membre de l'Union européenne. Et c'est pour moi ça, c'est un problème systémique qu'il faut résoudre d'une manière ou d'une autre. Il y a un autre problème. La plupart des engagements de l'Union européenne dans l'accord, en fait, les dispositions, c'est extrêmement difficile pour nous de mesurer l'efficacité de la mise en œuvre de ces engagements dans l'accord. Alors, d'autres défis que nous rencontrons. Le commerce avec les régions autonomes de l'Union européenne qui continuent à appliquer ce qu'on appelle l'octroi de mer, ce qui est selon nous une taxe discriminatoire. L'accord stipule qu'il permet aux régions autonomes d'outre-mer d'appliquer l'octroi de mer. Et c'est un problème, et c'est une mesure qui est vraiment rédhibitoire pour nous, pour le commerce. Je viens de Dominica, et de chaque côté de notre île, il y a la Martinique et la Guadeloupe, deux régions autonomes françaises, mais nous avons des barrières commerciales entre nous. Et je dois vous dire en toute honnêteté que nous avons été innovants et nous avons trouvé des façons de faire du commerce avec nos voisins et nos collègues des régions autonomes françaises. Nous ferons ce qu'il faut pour y parvenir. En plus, la question de la coopération au développement au sein même de l'APE. Cela représente un défi de mise en œuvre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on nous a dit que la coopération au développement entre le CARIFORUM et l'UE est régie par l'accord de Cotonou. Alors, même si nous assumions davantage d'obligations et d'engagements en vertu de l'APE, l'APE lui-même ne prévoit pas de soutien pour la coopération au développement de la part de l'Union européenne. En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons dû dédier une partie considérable de notre programme éducatif régional financé par le FED pour la mise en œuvre des APE. Et je dois dire, en toute honnêteté, que récemment, l'Union européenne a augmenté de manière considérable sa contribution au programme éducatif pour la Caraïbe. Lorsque nous faisons l'évaluation du coût de la mise en œuvre des APE, parfois nous demandons dans quoi nous nous sommes mis. Alors, vite fait sur les institutions conjointes des APE. Alors, elles apportent des possibilités de dialogue et de consultation entre le CARIFORUM et l'Union européenne. C'est la mise en œuvre des APE, le statut de leurs exécutions et le niveau de participation du CARIFORUM dans les différents travaux. Et cela offre une autre perspective sur l'état des lieux de la mise en œuvre de l'accord lui-même.
Je peux vous dire que la liste des différents arbitres qui doivent être nommés dans chaque accord qui a été appliqué de manière provisoire depuis 2008 n'a pas encore été achevée en 2015. Alors cela veut dire que rien ne peut être envoyé devant the component of the agreement. Le règlement du différend. Alors, le CARI Forum va rencontrer des défis de financement et de ressources humaines, car il s'appuie sur le secrétariat pour la participation efficace du CARI Forum au sein de ce comité consultatif. Des défis similaires sont rencontrés par le comité parlementaire conjoint CARI Forum UE, car nous n'avons pas de comité CARI Forum, nous n'avons pas de secrétariat pour le comité parlementaire ACP CARI Forum UE. Donc la participation, une véritable participation, représente un autre défi pour nous. Alors le comité pour le développement et pour le commerce, la situation est meilleure car il y a un responsable de haut niveau qui travaille dans ce comité, donc nous pouvons vraiment exploiter notre savoir-faire pour pouvoir participer à ce comité. Mais pouvez-vous faire une idée du coût lorsque l'Union européenne préside et qu'il y a des réunions qui se tiennent à Bruxelles? Imaginez-vous 15 personnes de chez nous qui voyagent pour participer à une réunion, c'est assez exorbitant. Le Conseil conjoint, qui est l'organe suprême, qui se réunira en juillet 2015, sous la présidence du CARI Forum, et une fois de plus, sera à Georgetown, au Guyana. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent au Guyana. Nous repartons à la source. J'en termine en vous disant que l'étude technique entreprise, les études entreprises sur les consultations en cours, sur la révision des 5 ans, concluent que les APE n'avaient pas encore apporté les bienfaits escomptés. Les différences d'opinion, différentes raisons pour expliquer cela. Donc, sur la base de ce que je viens de vous dire, vous pouvez vous imaginer ce que pense la Caraïbe. Une chose est sûre, c'est que nous avons mis l'accent sur l'importance de remplir les obligations pour la part du CARI Forum en vertu de l'accord. Les informations disponibles montrent que les limitations institutionnelles au niveau national et régional ont contraint le CARI Forum à répondre à ses obligations en vertu des APE. Des limitations similaires ainsi donc, ont eu des incidences négatives sur notre capacité à vraiment tirer parti de l'APE. Cette situation est exacerbée par les défis inhérents à l'accord signé entre le CARI Forum et l'UE. Les institutions conjointes de l'APE ont été créées, mais une participation du CARI Forum représentera un défi en raison des contraintes financières. L'absence d'un mécanisme permanent pour une surveillance continue des APE est une faiblesse institutionnelle omniprésente. À moins que cela ne change, la révision et l'évaluation sera périodique, historique et ad hoc. Ici, je ne suis pas et elle n'arrivera pas à point nommé pour répondre aux défis. L'APE CARI Forum UE a du potentiel pour le développement des États de la Caraïbe. Il faut cependant prêter attention aux contraintes institutionnelles et les contraintes inhérentes de l'APE sur les capacités, les mesures qui affectent négativement le développement des services et qui affectent la participation du CARI Forum aux institutions conjointes de l'APE pour que vraiment la Caraïbe profite pleinement de l'APE. La révision après 5 ans donne une raison d'avoir gardé espoir. Merci infiniment. This is a lot to Il y a là beaucoup
digérer. Et c'est peut-être le bon moment pour faire une petite pause et donc rendre la parole à notre chère sœur pour d'éventuelles annonces. Competition. The band was born out of a vision. Cet orchestre est né d'une vision et de la détermination de Trinidadiens qui vivent dans la zone de Notting Hill, à Londres, désireux de faire connaître leur culture, la culture du carnaval, des steel bands, aux jeunes de leur communauté. Donc ils sont ici avec nous cet après-midi. Mais c'est un prélude parce que l'ensemble de l'orchestre jouera tout à l'heure à Volubilis. Merci. Je rends la parole à Monsieur le Président.
Alors, comme cela a été dit, c'était juste un avant-goût de ce qui vous sera proposé tout à l'heure. J'espère que vous serez avec nous pour le reste de la soirée. Alors, nous avons entendu deux interventions, d'ores et déjà, toutes deux vraiment très très intéressantes dans leur contenu, suffisantes même pour occasionner un débat. Je pense que nous pouvons d'ailleurs procéder déjà à un échange de vues autour de ce que nous venons d'entendre dans ces deux exposés. Ne pas attendre plus tard pour cela parce que nous risquerions de perdre, d'oublier l'un ou l'autre point, l'une ou l'autre idée. Donc si vous avez des observations ou des questions, c'est le moment de nous les faire entendre. Nous sommes ici en famille, entre amis, donc n'ayez crainte. Libérez-vous. Have to take it that. Bon, j'imagine que ces deux interventions que nous venons d'entendre, malgré leur richesse, je me serais attendu d'ailleurs à ce qu'elles occasionnent un débat assez vif, en particulier ce que nous avons entendu de l'APE des Caraïbes. Beaucoup pensent que tout est rose dans le monde des APE. Ce que nous venons d'entendre du coordonnateur de l'APE du CariForum indique le contraire. Alors, à titre personnel, c'est ce que j'ai toujours dit ici aux ACP. J'étais bien seul à m'interroger sur cet APE, mais apparemment, dans la région, on semble penser en passer de même. Bien, nous allons poursuivre s'il n'y a pas d'observation ni de questions. Ah si, l'Afrique du Sud. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud demande la parole. Merci, Monsieur le Président. Vous me permettrez d'abord de remercier le secrétariat qui organise cette manifestation très impressionnante à l'occasion du 40e anniversaire de notre groupe. Je suis persuadé que lorsque nous nous réveillerons demain matin, nous aurons beaucoup réfléchi à ce qui vient de nous être dit, de nous être présenté, qui était très riche. Je voudrais remercier le CariForum à travers son représentant pour une perspective très, très lucide et très franche. Franche, mais également inquiétante, d'ailleurs, dans l'évaluation qui a été faite des 6 ou 7 années de mise en œuvre d'un APE dans la région des Caraïbes. Cela n'insiste pas à l'optimisme. Parce que lorsque j'observe l'état dans lequel se trouvent certains de nos pays qui vont vers l'application d'un APE aussi, s'ils devaient se retrouver confrontés aux mêmes contraintes que celles qui viennent de nous être décrites, cela est effectivement inquiétant. Alors je voudrais revenir sur ces dernières années de mise en œuvre pour lui demander comment est-ce que les États des Caraïbes envisagent de surmonter toutes les contraintes qui viennent de nous être décrites. Avez-vous une stratégie pour ce faire?
en outre, je crois qu'il faut vraiment s'apesantir sur certaines des questions qu'il a abordées, en particulier les contraintes liées aux capacités et capacités de nos institutions. Il a évoqué les bureaux des normes, les bureaux du commerce et de l'investissement, nos services chargés de la concurrence, toutes structures qui sont essentielles pour la facilitation des échanges commerciaux entre nous autres et l'Union européenne et qui sont susceptibles de nous permettre de tirer le plus grand profit de ces accords. Pour ce qui nous concerne, nos contraintes sont assez proches de celles qui nous ont été décrites et donc je m'inquiète. J'ai l'impression que nous sommes encore plus loin de disposer d'une stratégie, même nous qui n'avons pas encore un APE à mettre en œuvre. Peut-être ferions-nous bien de réfléchir déjà, d'anticiper déjà sur ces contraintes. Lorsque l'application viendra, nous serons peut-être mieux armés. Je vous remercie. The person who asked for the floor, could you all... Pouvez-vous vous identifier, monsieur? My name is Langston Cumberbatch. Oui, je m'appelle Langston Cumberbatch. Je suis ancien ambassadeur de Trinité et Tobago. Ici, dans cette maison des ACP. Par la suite, j'ai occupé les fonctions de directeur de l'unité de gestion de projet Trade.com, mise en place par la Commission de l'Union européenne pour aider les pays ACP à développer leur commerce. Après 3 années de mise en œuvre, d'un APE par les pays de la Caraïbe. Étant trinidadien moi-même et ancien ambassadeur ici aux ACP, j'ai pris sur moi d'inviter une dizaine de leaders de pays de la Caraïbe que j'ai invité à venir ici en Europe pour discuter des raisons pour lesquelles la signature de l'APE n'a pas donné les résultats attendus. Alors, il s'agissait de leaders du secteur privé, principalement. Et je me suis dit que ces gens-là auraient des choses à dire au sujet de l'APE. Nous sommes rendus en Allemagne, à Cologne, à Munich. Nous sommes allés à Rotterdam. Nous sommes également allés dans le Royaume-Uni, et ces personnalités du secteur privé ont eu ainsi des contacts et des discussions avec leurs homologues dans ces pays, des réunions qui ont été très utiles. Et par la suite, après leur retour dans les Caraïbes, 2 ou 3 mois après, je les ai recontactés pour voir avec eux s'ils jugeaient qu'il y avait eu des progrès. En d'autres termes, des contrats avaient-ils été signés à l'issue de ces rencontres qu'ils ont eues avec leurs homologues européens, ou au moins des contacts plus poussés. Et je suis au regret de dire qu'aucun d'entre eux, enfin, j'aurais peut-être dû les recontacter à nouveau depuis, mais en tout cas, leurs réponses ont été négatives. Il ne s'en est rien suivi de positif. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire.
il faut bien sûr mettre les mécanismes financiers, institutionnels et autres appropriés, on vient d'en parler, mais également pour que le secteur privé s'approprie cet accord-là et se décide vraiment à faire le nécessaire pour pouvoir tirer profit des opportunités que ces APE sont censées receler. Parce que je pense que si rien n'est sorti de ces visites-là, ce n'est pas seulement aux APE qu'on le doit. Je suis sûr qu'il y a encore un travail à faire vis-à-vis de notre société civile, de notre secteur privé, pour les inciter à faire leur part pour accéder au marché européen. Merci. Mariama Williams, bonjour, je suis du South Center. Je vais faire une petite remarque. Mais auparavant, je voudrais remercier notre collègue du Carré Forum pour son discours très franc. Je crois que nous avons besoin de ce genre de discours-là. C'est le point de départ vers des progrès. Je pense que la raison pour laquelle votre demande, Monsieur le Président, a été accueillie avec un certain silence est due au fait que nous avons tous dû digérer quand même ce qu'il nous a dit. Qui est très, très surprenant, vraiment. Et je suis frappé de voir que ce qui a été décrit ne s'applique pas seulement aux APE. Il y a beaucoup de leçons à en tirer pour les APE, en particulier dans la période post-2015, parce que nous sommes toujours en train de conclure des obligations dans beaucoup de domaines, notamment du changement climatique, alors que nous n'avons pas encore totalement compris les conséquences potentielles de tous ces accords-là. Je pense donc que il est important que nous réfléchissions de manière à anticiper sur toutes ces questions de renforcement de capacité, d'accès au marché, qui ne se fait pas comme cela. Il faut poser les bases de cet accès au marché. Je pense que c'est une discussion, c'est un débat qu'il faut avoir. Et ce qui nous aidera, c'est justement cet ensemble de réalités très concrètes qui nous ont été présentées par notre collègue. Merci. Marie. To respond to the question. Je vous remercie. Monsieur Marie, voulez-vous répondre? Allez-y, Monsieur Barry. Guinée-Bissau, the ambassador. Je vous remercie. I'm sorry. Just wait a minute. Je peux? Yeah. Monsieur le Président, je vous remercie. Et mon nom est Alpha Nyaki Barry. Je suis un produit, entre guillemets, tant de la Commission européenne, parce que c'est là où j'étais stagiaire et ensuite commencé ma carrière d'expert, et ensuite la convention de Yaoundé, je suis le dernier secrétaire général de Yaoundé, et ensuite le groupe ACP, je suis un produit véritablement de la maison ACP. Le groupe ACP est caractérisé par son unité. Mais j'ai été surpris par la désignation du groupe dans cette affaire, dans la stratégie d'approche des APE. Et je voudrais que monsieur le secrétaire général ou le président, que vous m'éclairiez pourquoi cette dynamique unitaire qui a toujours été, qui a symbolisé le groupe depuis sa naissance en 75 jusqu'en 85-90, s'est dilué au fur et à mesure que le groupe prend entre guillemets de l'âge. Alors c'est pour cela que je suis un peu déçu. Et d'autant plus que les APE nous, de l'extérieur, ont s'interrogé. Et le représentant des Caraïbes vient de nous donner quelques illustrations de ce qui pourrait nous attendre. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps que le groupe ACP se ressaisisse en un bloc et revoie un peu comment ensemble vous pouvez
mener ce combat ensemble et non divisé, comme vous l'êtes actuellement, face à ce problème des APE. Je vous remercie. Ambassador from Guinea-Bissau, please. Monsieur l'ambassadeur de Guinée-Bissau a la parole. Monsieur le président de la commission de la CDAO, communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, monsieur le secrétaire général, distingués invités, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités. Nous sommes très heureux d'être ici cet après-midi pour célébrer, comme il a été suggéré ici, un événement qui a eu lieu il y a 40 ans et qui depuis a transcendé les horizons, les options, les espoirs pour féconder cette union dont vient de parler M. Barry à partir d'une notion fondamentale qui est celle de la solidarité. Monsieur le Président, Monsieur le Modérateur, lorsque la troisième conférence au sommet ACP s'est tenue à Nadi, Fidji, le thème central était solidarité ACP dans un monde globalisé. Déjà en 2002, 13 ans plus tard, les choses n'ont pas changé, sinon pour se compliquer davantage, en tout cas en ce qui nous concerne. Monsieur le Président, si j'ai demandé à prendre la parole, c'est parce que, comme d'aucuns l'ont fait remarquer ici, nous avons entendu avec beaucoup d'intérêt l'intervention du directeur général de CARIFORUM, qui nous a fait part d'une expérience vécue, réelle. Vous-même, vous n'avez de cesse, en tant que représentant de la Barbade, de nous rappeler les insuffisances, les écueils, les difficultés auxquelles votre groupe est confronté dans la mise en place des mécanismes devant vous conduire à la pleine jouissance des résultats qui sont attendus, qui sont légitimement attendus de la coopération avec l'Union européenne au travers des APE. Monsieur le Président, je concède aux préopinants qu'à partir de l'analyse qui a été faite par Monsieur Percival, on serait tenté de croire que nous sommes invités à nous lancer dans une aventure périlleuse. Or, donc, je voudrais faire remarquer que nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous qui sommes de l'Afrique de l'Ouest, nous avons, me semble-t-il, le président de la Commission est ici, il est plus autorisé que moi, plus connaisseur des tenants et des aboutissants, mais qu'il me permette de croire que nous avons procédé à une approche totalement différente, dans la mesure où il ne s'est pas agi de négocier individuellement, mais nous avons négocié au travers d'une organisation qui est à la fois une organisation d'intégration et de coopération. Et c'est là une différence fondamentale. Le caractère binaire qui existe dans les Caraïbes et qui fait qu'il existe d'un côté le CARICOM et de l'autre le CARIFORUM et de l'autre le CARICOM suscite, sinon est même la source de certaines difficultés auxquelles nos collègues de cette région sont confrontés. Moi, je veux bien que nous en tirions des leçons, que son intervention nous serve d'alerte, nous serve de balisage. Mais je ne voudrais pas que nous partions d'ici avec le sentiment pessimiste que les APE ne sont rien du tout, sinon des sources de problèmes.
supplémentaire, puisque nous en avons déjà assez, individuellement et collectivement. Moi, je crois que, s'agissant d'une expérience nouvelle, il faudra, mutatis mutandis, s'adapter, apporter les corrections, envisager ce qu'il convient de faire, parce que c'est une expérience nouvelle pour nous comme pour les Européens. Mais en tout état de cause, l'essence même de cette nouvelle logique de coopération qui se fonde sur les échanges commerciaux, plutôt que sur la main tendue qui attend de manière impassible qu'on lui apporte ce dont elle a besoin, cette main. Je crois qu'il s'agit de faire en sorte qu'au travers d'un partenariat actif, gagnant-gagnant, nous puissions asseoir un mécanisme qui réponde à l'attente de nos populations. Certes, dans nos pays aussi de l'Afrique de l'Ouest, il y a des interrogations, mais c'est tout à fait normal. Et je crois que nous devons envisager l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme et surtout avec une détermination et une volonté qui ne doit être jamais démentie. Je crois que c'est sur cette note que je voudrais terminer. Certes, il y a beaucoup de choses à apprendre et nous avons retenu des leçons, certes intéressantes, mais je ne crois pas que cela puisse être un élément décourageant, puisque nous avons la volonté de poursuivre dans la voie du dialogue, de la coopération, de la négociation, pour, comme je l'ai indiqué, asseoir une coopération mutuellement fructueuse et bénéfique. Je vous remercie. Just before I give the floor to Mr. Marie, beaucoup de choses, Monsieur Marie. J'imagine que chaque région a un caractère singulier. Les Caraïbes obéissent à cette règle, parce que Trinité et Tobago, la Jamaïque, le Guyana sont des économies de services. Sur le plan commercial, ce ne sont pas des pays qui exportent des produits de base, par exemple des biens tangibles, concrets. Et Monsieur Marie a évoqué précisément le secteur des services, il a parlé des services financiers, du tourisme. Sur ce plan-là, les APE ne nous donnent pas beaucoup de marge, mais je suis sûr qu'il aura un mot à dire à ce sujet. Je lui rends la parole, de toute façon, pour ses réponses, parce qu'il y a des questions qui ont été posées, notamment par l'Afrique du Sud, Monsieur Cumberbatch de Trinidad et Tobago et la Guinée-Bissau. En restant aussi bref que possible dans votre réponse, Monsieur Marie. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer. Commenter certaines des affirmations qui ont été faites. Peut-être mes réponses ne seront pas telles satisfaisantes. Pour répondre d'abord, Monsieur l'ambassadeur de Guinée-Bissau, tout à l'heure, j'ai précisément dit à l'entame de mon propos que le sujet qui était le mien était celui des problèmes institutionnels qui se posent dans la mise en œuvre. Et donc j'ai fait un exposé de ces questions-là. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas des points positifs par ailleurs. Par exemple, les performances commerciales de la République dominicaine, par exemple, si vous les interrogez, vous verrez que c'est le seul pays qui a vraiment vu un réel accroissement de ses échanges commerciaux avec l'Europe. Puis vous dire que les chiffres de Trinité et Tobago montrent également une certaine amélioration, mais cela est dû aux exportations pétrolières de Trinité et Tobago. Les énergies fossiles. Je peux vous dire que pour beaucoup de ces pays, en matière de biens comme de services, les échanges commerciaux ont connu des améliorations. Donc je voudrais apporter cette précision-là. Mon exposé portait sur les problèmes. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas des réussites sur lesquelles on aurait pu s'apesantir. C'est bien que mon propos a pu vous sembler négatif. Ce que je veux dire, par contre, c'est que les APE n'ont pas encore apporté
tout le bénéfice que l'on est en droit d'attendre d'eux. Je vous rappelle que ces APE sont censés être des outils de développement, un outil de développement pour la région, cela, on n'y est pas encore. C'est ce que j'ai souhaité dire. Et je l'ai dit, je crois, dès le début de mon propos. Alors, maintenant, que faire? La première chose à faire, me semble-t-il, est de dire si les APE, si l'APE est une priorité pour nous ou non, parce que nous autres, les techniciens de la chose, avons l'impression, parfois, que la mise en œuvre de l'APE pour certains de nos États et de leur gouvernement ne constitue pas une priorité. On tient compte du fait que on ne détache même pas les techniciens adéquats pour des problèmes qui sont quand même considérés comme des questions essentielles, à moins que ce ne soit pas le cas, ce qui justifie précisément que l'effort ne soit pas à la hauteur. Donc le traitement des APE, de l'APE au niveau national, dans certains cas, est simplement le reflet du niveau d'importance que ces pays-là donnent à cette question. Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc c'est par là qu'il faut commencer, les APE à leur place. La deuxième chose qu'il convient de faire et que nous essayons de faire dans la région consiste à faire de l'APE comme à faire de l'APE un instrument parmi d'autres. Donc, ce que cela signifie, c'est qu'il faut que nous concevions une stratégie, surtout en matière de capacité. C'est-à-dire que lorsqu'on bâtit des capacités dans un domaine, il faut que cela soit pour les autres domaines également. Je parle là donc de l'intégration régionale, des capacités qui soient utiles et pertinentes pour tous, pour nous permettre de nous engager dans des négociations commerciales significatives. Nous sommes en train de négocier avec le Canada, par exemple. Les capacités que nous mettons en place pour l'APE doivent pouvoir nous servir également dans ces négociations avec le Canada ou avec les États-Unis. Nous avons des accords avec le Mexique, le Brésil, beaucoup de nos voisins latino-américains. En d'autres termes, il faut que nous réglions nos problèmes de capacité, mais de manière globale. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour améliorer notre efficacité, nos capacités en matière d'échanges commerciaux, que ce soit pour les biens ou pour les services? Je crois que la question des contraintes de capacité est la question essentielle. Ce que nous sommes en train d'essayer de faire aussi, Forum, c'est de mettre en place un plan quinquennal qui doit nous permettre de passer en revue les institutions qui existent d'ores et déjà pour voir quel est leur degré de pertinence. Certains d'entre eux ont été mis en place il y a une trentaine d'années, leur mandat n'a pas changé depuis, leur mécanisme de financement non plus, tout cela est peut-être un peu obsolète. Donc il s'agit de passer en revue ces institutions régionales dans le contexte de ce plan quinquennal que je viens d'évoquer. Et nous allons examiner chacune de ces institutions-là pour en vérifier la pertinence, la contribution à l'effort collectif. Et donc, c'est une autre stratégie dans laquelle nous sommes en train de nous lancer. Nous sommes en train d'essayer également de diversifier les sources de financement de certaines de ces institutions régionales. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit d'ailleurs notre recherche de surcroît de capacité. Donc nous nous tournons de plus en plus vers la Banque interaméricaine de développement pour leur dire, voilà, vous nous aidez à bâtir de nouvelles capacités, mais celles-là ne nous serviront pas seulement vis-à-vis de l'Union européenne. Ce sera une démarche globale qui est la nôtre, qui est susceptible donc de vous intéresser aussi.
Donc c'est l'ensemble des contraintes qui nous intéressent. Cela contient aussi les contraintes de transport, transport maritime, notamment à travers des projets qui nous permettront de faire des économies d'échelle. Nous sommes à la recherche également de sources de financement, d'ailleurs, pour notre infrastructure de facilitation du commerce par le biais du blending, subventions et ressources privées que nous pouvons essayer de combiner pour lever certaines des contraintes liées aux infrastructures de transport que nous connaissons. Alors, en ce qui concerne la visite de représentants du secteur privé de la région en Europe, je vais être très clair. Dans notre secteur privé, il y en a beaucoup qui nous disent aujourd'hui que c'est trop difficile de faire des affaires avec l'Europe. L'Amérique du Nord est notre voisin, c'est elle qui nous intéresse. C'est vers elle que vont nos efforts. Nous sommes plus proches des États-Unis et du Canada, c'est une réalité. Et la réglementation dans ces pays-là n'est pas aussi difficile, si je puis dire, que celle de l'Union européenne. Et donc, nos gens du secteur privé préfèrent clairement se tourner vers le marché de l'Amérique du Nord. Alors, nous essayons de leur faire connaître, bien sûr, les avantages potentiels que recèle l'APE. C'est un peu mon travail. Hein. J'ai des gens dans mon équipe qui sont chargés précisément de faire cela. C'est un travail de sensibilisation vis-à-vis du secteur privé quant aux opportunités qui leur sont destinées ici sur le marché européen. Une observation a été faite au sujet de difficultés que j'ai évoquées, mais qui ne sont pas spécifiques à l'APE. C'est vrai, il y a des problèmes systémiques ou structurels dont nous sommes tributaires dans notre effort de développement qui nous retarde, en d'autres termes. Le problème des ressources, par exemple, notre niveau de développement, nos vulnérabilités, tout cela est lié. Parce que, pour le dire clairement, le gouvernement de la Grenade, par exemple, peut consacrer 200 millions d'euros à la construction d'un port cette année. Il va le faire. Et l'année prochaine, il va devoir consacrer 100 millions d'euros à la réparation de ce port parce qu'un cyclone qui aura duré 5 minutes aura tout cassé. Nous passons notre temps à reconstruire et tout notre argent passe là-dedans. Les autres questions qui ont été évoquées touchent à la solidarité entre les ACP. Je laisse ces questions-là à ceux qui sont plus compétents que moi en la matière. Merci. Tell you that Stergomena Lawrence Tats. Je vous informe que qu'un représentant en charge de représenter donc Laurence Tax est présent pour prendre la parole sur la question des progrès vers une intégration régionale plus poussée, l'expérience de la SADC. Comme ça, nous en aurons fini avec la perspective régionale. Merci. Thank you very much. Merci infiniment, Monsieur le Président. Honorable ministre, Excellence, Monsieur le Secrétaire Général du groupe ACP, Monsieur le Président du Comité des Ambassadeurs, Excellence, chers invités, le directeur exécutif de la SADC m'a mandaté pour il n'est pas très loin d'ici, il aurait
elle aurait voulu venir et prendre la parole devant cette auguste assemblée, mais malheureusement, ce n'est pas possible, car elle se trouve à une autre réunion. Par conséquent, elle m'a mandaté pour que je vienne et je lise sa déclaration, et c'est ce que je vais faire. Excellences, mesdames et messieurs, c'est un honneur et un privilège de pouvoir participer et prendre la parole devant vous au cours de ce moment historique qui nous offre l'occasion de réfléchir sur les progrès réalisés par les États ACP et les régions, les progrès qu'ils ont réalisés au cours des 4 dernières décennies. La SADC est ravie de participer aux célébrations des accomplissements des États ACP et des régions, notamment à ce moment où nous pensons également à l'avenir de notre groupe. I'm honored to share with you. Dans ce contexte, je suis honoré de vous faire part de l'expérience de la SADC et des progrès réalisés afin d'avoir une intégration régionale plus poussée. J'espère que nos expériences en tant qu'État ACP et sous-région ACP, tant pour ce qui est des accomplissements que des défis que nous avons dû relever, nous aideront à évaluer nos performances au cours des 40 dernières années et réfléchir à la façon de repositionner le groupe de manière à ce qu'il puisse répondre de manière efficace à nos nécessités du 21e siècle. Excellences, mesdames et messieurs, le programme pour l'intégration économique régionale de la SADC est guidé par son plan indicatif régional qui, depuis 2005, a exposé les programmes de la région pour une intégration régionale plus poussée dans différents domaines de développement, en ce compris les infrastructures, le commerce, l'industrialisation, la finance et l'agriculture. Les progrès sont mitigés et la création d'une zone de libre-échange en 2008, lorsqu'un minimum de 85% des tarifs douaniers sur les produits. La libéralisation de la plupart de nos membres de la zone de libre-échange a été atteinte en 2012 lorsque des droits de douane sur des produits ont été supprimés. Suite à la mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre 2000 et 2012, le nombre de membres de notre zone de libre-échange a augmenté et a été multiplié par 4. Dans la SADC, nous sommes reconnaissants. Nous savons que ce chiffre représente les niveaux déséquilibrés de commerce intra-régional qui reste à 50% plus ou moins comparé au volume de commerce total pour le monde. Ces niveaux assez bas de commerce intra-régional ont rencontré plusieurs défis. Participer aux différentes chaînes de valeur, processus d'industrialisation, etc. La région de la SADC possède de nombreuses ressources naturelles, surtout dans les mines et l'agriculture, mais nous continuons à exporter et à traiter des produits qui font l'objet des fluctuations des prix des produits de base. Dans certains cas, la libéralisation du commerce ne mènera pas à des transformations économiques durables et cela ne sortira pas nos peuples de l'ornière de la pauvreté. Afin de renverser cette tendance, la SADC a récemment décidé de se concentrer sur l'ajout de valeur et de tirer parti de nos ressources naturelles. Dans ce contexte, la SADC, son sommet de chefs d'État et de gouvernement, a approuvé un plan stratégique de développement pour la région
ce plan fait du développement régional son cheval de bataille dans la région de la SADC en vue d'accélérer la production et de renforcer l'intégration du marché afin de donner des dividendes équitables à nos peuples. En plus d'avoir développé cette stratégie, nous avons mis sur pied une feuille de route qui a été approuvée par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC au cours de la réunion d'avril. La stratégie a une perspective à long terme, comportant trois phrases qui couvrent 2015 à 2063, ayant pour but d'apporter des transformations sociologiques, économiques et techniques. Il faut que la chaîne de valeur, la compétitivité soit au centre du processus d'intégration régionale économique. Excellences, mesdames et messieurs, vous êtes peut-être déjà au courant que dans quelques jours, la SADC ainsi que la COMESA et la Comité d'Afrique de l'Est, dans le cadre de l'accord de tripartite, lanceront la zone de libre-échange tripartite qui reprend 26 pays d'une population totale de 625 millions de personnes et un PIB de 1,2 milliards, représentant la moitié de des membres de l'Union africaine et 58% du PIB du continent. Cela créera le bloc économique le plus grand d'Afrique et cela donc sera la première pierre de la zone de libre-échange en Afrique dont les négociations se tiendront en juin en Afrique du Sud. Et je voudrais saisir cette occasion pour mentionner qu'au cours des dernières années, si l'on remonte à l'année de création, la coopération régionale dans la SADC a toujours été faite basée sur la nécessité de répondre aux défis des infrastructures et l'incapacité pour nos membres de faire reculer la pauvreté. À cet égard, la SADC a développé un plan de développement régional qui agit en tant que cadre de politique harmonisée et un vivier de politique harmonisée pour répondre aux défis sous six piliers, donc l'énergie, le transport, l'information, la technologie, météorologie, les ressources aquatiques. Il s'agit d'un plan ambitieux qui est en conformité avec le programme de développement des infrastructures en Afrique, le marché commun pour l'Afrique de l'Est et de l'Austral, la Communauté d'Afrique de l'Est, la SADC et le plan interrégional, ainsi que d'autres initiatives, comme l'objectif est d'accélérer les projets d'infrastructure sur notre continent. Certains projets à court terme atteindront des montants de 65 milliards de dollars. Excellences, mesdames et messieurs, permettez-moi également d'aborder l'agriculture et la sécurité alimentaire, où la demande dépasse encore l'offre. La région est toujours tributaire des importations. La plupart des États membres de la SADC ont enregistré une augmentation de la production agricole avec un surplus régional pour les céréales principales. La production de bétail
augmente de 4% annuellement au cours des 5 dernières années. Les personnes qui ont besoin d'aide humanitaire sont toujours nombreuses dans la région. En dépit de l'augmentation de la production de denrées alimentaires, la stratégie pour l'alimentation de la SADC est a été adoptée pour promouvoir la disponibilité de la nourriture via une production améliorée, la productivité et la compétitivité dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Dar el Salaam sur l'agriculture et la sécurité alimentaire en 2004. Excellences, mesdames et messieurs, comme souligné dans ce domaine, la route vers l'intégration économique durable est toujours longue. Si nous avons réalisé des progrès dans certains domaines, les États membres de la SADC continuent à rencontrer des défis dans l'obtention d'une intégration régionale plus poussée et dans la participation au système commercial multilatéral. Les pays ACP dans leur ensemble sont face à de nouveaux défis qu'ils doivent évaluer. Il faut qu'ils incluent le développement des chaînes de valeur et il faut qu'ils prennent en considération également les accords commerciaux au niveau international. Nous vous répondrons aux nécessités pour un partenariat futur avec le travail qui sera réalisé dans les différentes sous-régions sur l'intégration économique. Pour nous, dans la SADC, il est important que cette pertinence s'appuie sur la volonté de rehausser la participation de la région dans les chaînes de valeur. Nous voulons consolider également nos relations avec nos partenaires actuels. Il est important que nous créer de nouveaux partenariats avec des pays émergents et des groupes économiques. Je voudrais conclure en réitérant l'engagement continu de la SADC au renforcement de l'intégration régionale et continentale et la coopération. À un moment où nous réfléchissons sur les 40 dernières années et sur la création du groupe ACP, nous nous tournons également vers l'avant et nous nous engageons à renouveler le partenariat et à galvaniser le groupe ACP qui nous offrira une plateforme de premier choix pour des interactions plus intéressantes sur une scène internationale en constant changement. Une fois de plus, je vous remercie, Monsieur le Président, pour l'occasion que vous m'avez donnée de prendre la parole devant cette Assemblée. Je vous remercie. Merci infiniment, représentant de la SADC. Nous allons poursuivre. Nous passons directement à la suite. L'un de nos orateurs doit partir pour Genève. Nous allons lui donner la parole. Et il s'agit du représentant de la CDAO, Son Excellence Cadré Désiré Ouadraogo. Vous avez la parole. Ensuring the financial sustainability. Garantir la viabilité financière des organisations internationales. Excellence, ambassadeur Roy Mikey Joy, président du comité des ambassadeurs des ACP, ambassadeur Patrick Gomez, secrétaire général du groupe des ACP, ambassadeur Samuel Chandler, modérateur, ambassadeur du Barbade, excellence, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les présidents d'institutions, distinguées personnalités ici présentes, mesdames et messieurs, permettez-moi avant tout propos de dire ma reconnaissance au secrétaire général des ACP et à travers lui au groupe ACP pour nous avoir invités à ce symposium
et nous y avoir accueillis avec tant d'égards. Je voudrais surtout remercier l'ambassadeur Gomez, non seulement pour son profond attachement aux idéaux du groupe ACP et sa contribution à sa consolidation, mais aussi pour l'occasion qu'il me donne ainsi de revoir tant d'amis que je compte dans cette belle ville de Bruxelles. En vous réitérant ici, mon cher frère et ami Gomez, mes chaleureuses félicitations pour cette initiative du symposium, je voudrais surtout vous exprimer ma gratitude pour l'honneur que vous faites à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en l'associant à cette commémoration du 40e anniversaire de la création du groupe ACP. Il y a 6 jours de cela, le 28 mai dernier précisément, la CDAO fêtait également ses 40 ans d'existence. Cette heureuse coïncidence dans l'histoire et l'évolution de nos deux organisations nous offre simplement l'occasion d'établir un parallèle sur les chemins parcourus et d'envisager les perspectives de consolidation de nos différents processus d'intégration et de développement. C'est pourquoi, au-delà du plaisir que j'ai à me retrouver au sein de ce groupe, dans cette maison qui m'est familière, je voudrais saluer la pertinence du choix du thème de ce symposium qui nous permettra à coup sûr de décliner les différentes facettes qui font la force et qui feront l'avenir du groupe ACP. 1975-2015, que de progrès, que d'innovation, mais aussi de défis pour la consolidation du groupe et sa coopération avec l'Europe. Permettez-moi de rendre hommage à tous ceux qui ont été les pionniers et les continuateurs de cette belle aventure. Ayant personnellement eu le privilège de présider le groupe de travail sur l'avenir des ACP, je mesure le défi permanent que représente sa dynamisation et sa consolidation. C'est dire que je suis particulièrement heureux de pouvoir contribuer aux discussions de ce forum en partageant avec vous l'expérience de la CDAO sur la problématique de la viabilité financière des organisations internationales. C'est le thème qu'il m'a été demandé de traiter. Excellences, mesdames et messieurs, en mettant en exergue le renforcement des relations ACP-UE, la déclaration de Sipopo sur la situation du groupe ACP à l'horizon 2015 et au-delà a souligné à juste titre l'impérieuse nécessité de la diversification des partenariats dans la poursuite des objectifs du groupe et la réalisation du développement durable de ses pays membres. Cette orientation souligne, si besoin en était encore, l'importance de la coopération intra-ACP et de la pérennité financière du groupe dans la conduite efficace de sa mission et l'atteinte de ses objectifs. À ce niveau de mon propos, il me semble opportun de relever 3 certitudes que nous partageons d'ailleurs tous ici et qui sous-entendent la démarche de la CDAO dans le financement de son processus d'intégration. D'abord, la question du financement du développement à long terme renvoie à la nécessité de disposer de ressources propres qui offre aux économies des pays ACP une plus grande marge de manœuvre dans la conduite et la maîtrise de leur processus de développement. Ensuite, les contributions statutaires, y compris les ressources extérieures, quoique nécessaires, sont parfois inadaptées ou insuffisantes par rapport à l'accroissement des besoins de financement des organisations, besoins inhérents à l'évolution de leur mandat. Enfin, les multiples défis, qu'ils soient économiques, sociaux,
politiques, sécuritaires auxquels nos organisations sont confrontées nécessitent dans leur relèvement des ressources adéquates et suffisantes pour y faire face en toutes circonstances. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous conviendrez donc avec moi que la viabilité financière des organisations telles que les nôtres renvoie à un certain nombre de principes clés, à savoir l'autonomie, la prévisibilité, la durabilité, l'équité et l'appropriation. C'est à l'aune de ces principes que la CEDEAO, pour répondre durablement aux problèmes de financement de ses programmes, a adopté en 1996 le protocole sur le prélèvement communautaire, dont le taux est fixé à 0,5% de la valeur des marchandises importées des pays tiers et qui est reversé directement à la commission de la CEDEAO. Ce mécanisme de financement a permis à l'organisation de se soustraire définitivement des aléas de contributions directes des États membres à partir de leurs budgets nationaux. Il a surtout permis non seulement d'éponger leurs arriérés de contributions, mais aussi de générer les ressources nécessaires pour financer les différents programmes de la communauté et assurer le bon fonctionnement des institutions. Le mécanisme du prélèvement communautaire est suivi par un comité de gestion regroupant les services de la Commission et les administrations financières des États membres. La CEDEAO, grâce au prélèvement communautaire, arrive aujourd'hui à financer en moyenne plus de 85% de ses activités, la part des financements extérieurs étant de moins de 15%. Ce résultat encourageant a permis le renforcement de la crédibilité de la CEDEAO et son positionnement comme un interlocuteur de taille dans le cadre de la coopération multilatérale. On peut donc se féliciter des résultats tangibles obtenus ces dernières années grâce aux efforts collectifs des États membres dans la mobilisation des ressources. Toutefois, force est de reconnaître la récurrence de certains défis relatifs notamment à l'harmonisation des modalités pratiques et de la mise en œuvre du protocole. Nous avons, pour relever ces défis, engagé une série de mesures politiques, techniques, de suivi et de coordination et de renforcement des capacités. Le mécanisme a été passé en revue lors des réunions statutaires de la CEDEAO qui se sont tenues le mois dernier à Accra. Excellences, Mesdames et Messieurs, à travers ce bref aperçu de l'expérience de la CEDEAO, il apparaît de toute évidence que la viabilité financière des organisations suppose d'abord la volonté politique des États et leur engagement à respecter et à honorer leurs obligations communautaires. La viabilité financière des organisations, c'est aussi la capacité des États à créer un environnement favorable à l'investissement et à faire des réformes économiques, notamment des finances publiques. La viabilité financière des organisations, c'est également la gestion rationnelle des ressources et l'application des normes et principes d'orthodoxie reconnus en la matière. La viabilité financière des organisations, c'est enfin la diversification des sources de financement et le renforcement de la coopération Sud-Sud. Monsieur le Président du Comité des ambassadeurs, Monsieur le Secrétaire général du groupe ACP, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je voudrais vous réitérer ici l'attachement profond des pays de la CEDEAO aux idéaux du groupe ACP, dont les actions ont permis de renforcer la coopération Sud-Sud. Permettez-moi aussi de vous dire toute ma conviction que cette coopération Sud-Sud reste un levier important pour la diversification et la transformation des économies des pays ACP. Elle doit par conséquent être au service de leur développement. C'est pourquoi, dans la négociation
des accords de partenariat économique régionaux de l'Afrique de l'Ouest, nous avons tenu à préserver la coopération Sud-Sud. Je me félicite des actions entreprises d'ores et déjà par le groupe ACP pour renforcer les instruments de cette coopération en vue de les rendre plus performants. Je me félicite également des orientations éclairées du Conseil des ministres ACP pour la mise en place des fonds et mécanismes appropriés destinés à assurer la pérennité et la réussite du groupe ACP. C'est le lieu pour moi de saluer l'action d'un illustre fils de notre région, son Excellence le Président Olusegun Obasanjo, à la tête du panel de haut niveau qui va matérialiser les idéaux des accords de Georgetown créant le groupe ACP. Je ne saurais terminer mon propos sans rappeler les relations anciennes entre la CEDEAO et le groupe ACP. En effet, notre région de l'Afrique de l'Ouest a eu l'honneur d'accueillir par 4 fois les cérémonies de signature des conventions successives de Lomé, ainsi que celle de l'accord de partenariat de Cotonou. C'est assurément cette coopération historique et de longue date que je veux saluer ici et qui, une fois encore, s'est récemment illustrée à travers la solidarité et l'accompagnement des États ACP en soutien aux efforts de l'Afrique de l'Ouest dans la lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola. En particulier, je voudrais réitérer notre profonde gratitude à la République de Cuba pour l'assistance apportée aux 3 pays les plus durement touchés durant cette épreuve. C'est à travers ces mots de reconnaissance à tous les États ACP que je veux renouveler ma gratitude au secrétaire général pour sa contribution à un avenir meilleur du groupe ACP. Je renouvelle mes félicitations à l'ensemble du groupe pour les 40 ans de l'accord de Georgetown et l'expression de la solidarité des pays membres de la CEDEAO envers le groupe ACP. Vive le groupe ACP, vive la coopération Sud-Sud. Je vous remercie de votre aimable attention. We thank the president of the ECOWAS. Merci, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO. Bien entendu, vous pouvez constater l'amour qu'il porte au groupe ACP. Alors, dernier orateur maintenant. Alors, la paix, une condition indispensable pour une coopération régionale et ACP réussie. Les autres orateurs, donc le renforcement de la coopération ACP à travers le dialogue interrégional. Donc, Monsieur Onyari n'est pas présent. Donc, le prochain orateur sera le dernier à prendre la parole. Alors, Monsieur Daniel Pascal Elono, vous avez la parole. Je veux parler en français. Excellence, Monsieur l'ambassadeur et président de la séance, j'ai l'honneur de prendre la parole cet après-midi au nom du secrétaire général de la CHC, son Excellence, Monsieur Ahmad Alami, qui aurait bien voulu être des nôtres ce soir, mais qui a été empêché par d'autres obligations. La CAC ainsi remercie le groupe ACP de l'avoir choisi pour présenter, pour faire cet exposé sur le thème de la paix et j'ajoute la sécurité parce que généralement les deux vont ensemble. Je ne sais pas pourquoi les organisateurs ont voulu que les autres communautés économiques régionales ne parlent que de ce qui concerne leur communauté
et de donner la compétence à la CEAC de parler de la paix en général, puisque vous voyez bien dans le programme qu'il n'est pas dit que c'est des questions de paix dans l'espace CAC. Ça veut dire que c'est global, donc l'ensemble des pays ACP. En tout cas, nous avons pris cela comme étant un grand honneur. Cela va nous amener donc à parler un peu d'une manière générale de la paix. Et moi, j'ajoute de la sécurité, parce que les deux, je le rappelais, vont toujours ensemble dans le cadre du groupe ACP. Comme vous le savez, les pays de la CEAC ont toujours joué un rôle important dans le groupe ACP. La dernière preuve en date, c'est l'organisation réussie du sommet de Malabo en 2014. J'ai déjà eu à présenter les excuses et les regrets du secrétaire général. Pour nous, et en présentant ce thème, il s'agit de souligner, et nous nous en réjouissons d'ailleurs, que le groupe ACP a mis un accent particulier sur les régions, ou les sous-régions, comme vous voulez, notamment en Afrique, où nous avons cinq grandes sous-régions et qui, finalement, correspondent aux grandes organisations d'intégration sous-régionale que nous avons en Afrique, à savoir la SADC, la CEAC, la CDAO, l'Union du Maghreb arabe, l'IGAD et les autres, en tout cas les huit qui sont reconnus par l'Union africaine. Donc pour nous, aujourd'hui, les communautés économiques régionales ont un rôle capital à jouer dans tout ce que nous voulons entreprendre. Et vous voyez bien, ceux qui m'ont précédé ont parlé des accords de partenariat économique. Et beaucoup d'autres programmes de l'Union européenne se mènent dans le cadre justement de ces communautés économiques régionales. Cela était déjà au niveau de l'Afrique, parce que je veux peut-être m'excuser de beaucoup plus parler de l'Afrique. Mais vous savez que l'Afrique est le plus grand groupe dans le cadre du groupe ACP. Mais en plus, c'est la région qui connaît le plus les problèmes de paix et de sécurité. Parce que autant les îles du Pacifique et les Caraïbes ont des problèmes, mais au niveau de la paix et de la sécurité, c'est essentiellement le continent africain. Donc, à partir de ce constat, nous pouvons entrer très directement dans le vif du thème qui nous a été proposé, à savoir la paix, une condition indispensable pour une coopération régionale et ACP réussie, je veux dire. Il n'est pas question pour nous ici de venir nous interroger à nouveau sur les fondements épistémologiques et ontologiques d'un thème qui est connu de tous, qu'est la paix. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous aimons toujours ajouter la sécurité, parce que la paix sans la sécurité n'est pas tout à fait suffisante. Pour nous, nous pouvons penser comme un grand auteur, un grand intellectuel africain, à savoir Saint-Augustin, a dit un jour que la sécurité est la tranquillité de la paix. Donc, pour nous ici, la paix va beaucoup plus au-delà, parce que si on rentre dans les concepts, on verra qu'il y a même des formes de paix qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes. On parlait parfois de paix armée et autres, ou paix des braves, à partir de l'équilibre d'une certaine terreur. On le voyait bien durant la guerre froide. Donc, en quoi ici, la paix est une condition. C'est les organisateurs qui ont utilisé ces mots. Moi, j'aime beaucoup m'intéresser aux mots. C'est une condition. En plus, ils ajoutent indispensable. Ils auraient pu dire une condition pour une coopération sans ajouter indispensable. Ça montre toute la force, en tout cas, que les concepteurs de cette thématique ont voulu donner à ce mot. Or, quand nous nous interrogeons, effectivement, dans un premier volet, on se rend compte que
effectivement, si nous regardons en tout cas le continent africain, aujourd'hui, il est impossible de parler de coopération et finalement de développement, puisque je pense que le groupe ACP, c'est ce qu'il vise finalement, le développement des peuples et de nos États. Il est impossible de parler de cela sans évoquer la paix. Cela est vrai, parce que vous voyez bien, nous on connaît dans l'espace CAC des drames, en tout cas avec ce que vous avez suivi, notamment avec des pays comme la République centrafricaine, où l'État a eu à presque s'effondrer, où il fallait, où nous sommes en train de recommencer tout à zéro avec l'appui des divers partenaires. Donc c'est effectivement une condition indispensable à la coopération. Et ici, coopération veut d'abord dire coopération au sein des communautés économiques régionales, mais aussi à l'intérieur du continent africain et maintenant finalement entre les différentes entités, c'est-à-dire tous les États membres du groupe ACP. Comme nous l'avons toujours pensé, le groupe ACP, c'est vrai, a été créé pour constituer un groupe de dialogue, de négociation avec l'Union européenne à l'époque. Mais aujourd'hui, j'ai lu les documents qui nous ont été remis, où les organisations écrivent là-dedans que c'est le plus grand groupe d'intégration transrégionale. C'est des nouveaux termes même qui... Une organisation intergouvernementale, comme il a acquis ce statut. Et aujourd'hui, ça veut dire que au-delà du partenariat avec l'Union européenne, le groupe ACP doit exister. Et nous nous réjouissons de ce que, en lisant les textes révisés de ce groupe, la thématique de la paix et de la sécurité ait finalement été retenue dans le cadre de ces activités. Mais en retour, nous pensons également que il y a plutôt de la complémentarité entre la paix, la coopération et le développement. Comme la paix est une condition pour la coopération et le développement, nous pensons que la coopération et le développement sont aussi une condition pour la paix. Parce que, vous voyez, la nature des menaces que nous avons aujourd'hui font que d'abord, aucun de nos États membres, en tout cas je parle de l'expérience de la CAC et un peu de l'Afrique en général, son Excellence le Président de la Commission de la CDAO pourra me corriger si je me trompe, je le redis, qu'il nous semble presque impossible aujourd'hui pour nos États pris isolément de faire face seuls aux menaces liées à la paix et la sécurité. Cela veut dire qu'il y a presque une obligation à renforcer la coopération entre les États. De la même manière, nous pensons qu'il n'y a pas de paix durable. Parce qu'il y a des situations de paix. Si on prend la paix comme étant, au départ, l'absence de guerre. Mais l'absence de guerre ne suffit pas. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans des pays où il n'y a pas de guerre, mais ils vont vous dire qu'ils ne sont pas en paix. Et c'est en cela que le développement vient maintenant jouer son rôle. Quand on mène à bon port des programmes de développement qui permettent de finalement satisfaire les besoins de la population, améliorer leurs conditions de vie, c'est une œuvre qui contribue à consolider la paix. Aujourd'hui, en Afrique, je parle essentiellement de l'Afrique et de l'Afrique centrale en particulier, nous avons de nouvelles menaces. Vous suivez tous l'actualité, vous savez que le terrorisme et l'extrémisme violent sont une grave menace à la paix et à la sécurité aujourd'hui et dans notre espace, qui était un peu épargné jusque-là. Nous avons ce phénomène qui s'est introduit, notamment avec les activités du groupe Boko Haram. Nous avons d'autres phénomènes comme la piraterie maritime dans notre espace maritime, le golfe de Guinée. Nous avons de nouvelles menaces également, comme nous sommes à la lisière, parce que la CAC a la particularité d'être
la seule sous-région qui est frontalière avec toutes les autres sous-régions d'Afrique. Donc nous subissons en bien et beaucoup plus en mal tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Ce qui fait que vous verrez tous les types de trafic que nous pouvons énumérer en Afrique sont présents dans notre espace. Le trafic de la drogue, et des formes de criminalité comme le crime transnational organisé, la prolifération des armes légères et de petit calibre, les conflits électoraux, parce que ça, c'est des nouveaux types de conflits qui jusque-là n'étaient pas au-devant de la scène. Et la particularité même ici, c'est que avant on faisait face aux conflits post-électoraux. Maintenant, c'est des conflits préélectoraux et vous suivez l'actualité dans notre espace où avant même l'élection, les acteurs qui n'arrivent pas à s'accorder sur les modes d'organisation, les textes qui régissent, les institutions qui régissent ces élections, et ça aboutit à de la violence. Je ne veux pas citer les pays de notre espace, mais vous suivez l'actualité pour vous rendre compte que c'est un nouveau type de conflit qui n'existait pas jusque-là dans notre espace. Ainsi, l'Afrique centrale et l'Afrique en général font donc face. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, heureusement que les pères fondateurs de l'OUA et aujourd'hui l'Union africaine avaient eu anticipé en créant non seulement une organisation continentale et en lui donnant les moyens de faire face à ces menaces, mais aussi en créant les communautés économiques régionales. Et ce sont, à Lagos, c'est une date très importante dans l'intégration africaine, le plan d'action de Lagos, qui a non seulement demandé de renforcer ces communautés économiques régionales, mais aussi d'en créer même là où il n'en existait pas. Et la CAC est d'ailleurs née dans la foulée de ces recommandations de Lagos. Donc, de manière globale, aujourd'hui, en Afrique, nous attelons justement à opérationnaliser ce que nous appelons l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui a pour pilier le système continental de l'aide rapide, la force africaine en attente, tout ce qui est en opérationnalisation. Et il y a une des nouvelles idées qui émergent aujourd'hui, qui sont complémentaires, et je veux souligner ici la CARIC, c'est-à-dire la capacité africaine de réaction immédiate aux crises, qui, sur le plan technique, est complémentaire à ce que nous avions jusque-là, la force africaine d'attente. Et cette CARIC repose sur le volontariat des pays qui ont les moyens, au niveau du continent, de pouvoir mener des actions rapides en cas d'urgence. Donc la CAC est inscrite dans cette logique d'opérationnalisation de cette architecture de paix et de sécurité au niveau du continent. Et je suis un peu heureux que le président de la commission de la CEDEAO ait eu à prendre la parole avant moi pour effectivement revenir sur quelque chose qui est transrégional et qui est finalement primordial et prioritaire, non seulement pour la CEAC, l'Union africaine et les autres CEA, mais aussi pour le groupe ACP, à savoir les défis du financement. Et effectivement, aujourd'hui, quand on prend l'architecture de paix et sécurité de l'Union africaine, aujourd'hui, on se rend compte que le financement est essentiellement extérieur. Or, comment on peut construire une paix et une sécurité durable et finalement un développement durable si on ne peut pas d'abord compter sur ses propres moyens? C'est un véritable défi. Beaucoup de CER en Afrique aujourd'hui n'arrivent pas, je pèse bien mes mots, n'arrivent pas à faire face à leurs responsabilités à cause de ce problème. Et or, nous avons toujours pensé que les solutions existent d'abord dans notre espace. Et c'est une tentation à chaque fois, quand on veut mener une activité, de regarder d'abord à l'extérieur avant. Je pense que ce 40e anniversaire sonne vraiment comme un moment indiqué pour repenser les modes de financement alternatifs. C'est-à-dire que si ceux qui ont toujours existé jusque-là,
je m'excuse d'entrer un peu dans cet aspect du financement, n'ont pas donné satisfaction, c'est le moment. Parce qu'un anniversaire, c'est d'abord pour moi un moment de réflexion, un moment d'introspection et finalement de proposition pour pouvoir dire que le problème du financement de nos activités, de notre coopération dans les CER, au niveau de l'Union africaine, au niveau des ACP, est une épine dorsale pour les activités du groupe ACP. Or, selon nous, je vais terminer parce que ce n'est pas bon de parler longtemps, le contexte actuel mondial est favorable pour que le groupe ACP puisse émerger comme un acteur incontournable de la scène internationale avec l'apparition de nouveaux pays émergents et ainsi que les défis du monde contemporain. Donc, en conclusion, selon nous, il n'y a pas de coopération et de développement sans paix et sécurité, de la même manière qu'il n'y a pas de paix et de sécurité durable sans coopération régionale, sans développement. Au moment de ces 40 ans, l'âge de la maturité, nous pensons que le groupe ACP ne sera que ce que ses membres voudront qu'il soit demain. Nous remercions l'assistance pour cette attention. We thank, Merci, M. Elono, pour cette intervention. Je crois que c'est une perspective différente que vous avez adoptée. Parler du point de vue de la paix et de la sécurité, et chacun ici sera bien d'accord pour dire que sans la paix et la sécurité, alors pour le dire plus clairement, lorsqu'il y a tout le temps des conflits et des guerres, celles-ci absorbent toutes les ressources financières dont nous disposons, elles sont déjà faibles, nous empêchent de faire tout le reste. En fait, tout ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire le développement de nos pays. C'est une perspective vraiment intéressante. Et je voudrais ouvrir la discussion maintenant. Vous avez probablement des observations au sujet de la paix et de la sécurité. Nous venons d'en entendre parler. Mais également, en réaction à ce que la SADC nous a dit, des progrès qui ont été enregistrés dans la région. Vous pourriez également dire un mot au sujet du renforcement de la coopération à travers le dialogue interrégional, la coopération ACP s'entend. Oui, à vous. Et ensuite, nous aurons le Congo. Et puis, je n'arrive pas à lire le chevalet. Madame Williams, je crois. La Namibie également. Bien, nous allons vous donner la parole dans cet ordre. La Guinée d'abord. Et madame. OK. Merci, monsieur le président. Vous avez bien fait de commettre ce lapsus linguae, de dire que c'est la Guinée. Nous sommes en effet le même et seul pays. Vous savez, alors même que j'écoutais les distingués intervenants, m'est venue cette phrase de Otto von Bismarck qui a dit « La seule chose qui ne change pas en histoire, c'est la géographie. » Je trouve que c'est une phrase très profonde. La coopération régionale, elle est importante parce qu'elle s'assoit précisément sur des relations de bon voisinage. Ces relations sont très souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, des relations historiques et qui font que ce qui préoccupe le voisin doit naturellement vous préoccuper aussi.
Mais avant de poursuivre sur cette problématique, je voudrais, si vous le permettez, remercier très sincèrement le président de la commission de la CEDEAO, notre très cher président, puisque mon pays appartient à cet espace de la CEDEAO, pour l'éclairage qu'il a apporté à notre débat quant à la manière d'assurer la fiabilité financière d'une organisation. C'est un thème qui nous interpelle, nous, hein, au sein de la des ACP. Parce que justement, comme il vient d'être dit, 40 ans d'existence, c'est assurément une occasion de célébrer, parce qu'on considère qu'à 40 ans, on a atteint l'âge de la maturité. Mais c'est surtout et avant tout une occasion de procéder, comme l'a suggéré le dernier intervenant, de procéder à une introspection pour mesurer le chemin parcouru et se poser des questions. C'est ce que nous faisons ici au sein des ACP. Je voudrais remercier le président Ouédraogo pour nous avoir rappelé combien il est fondamental pour une organisation, quelle qu'elle soit, afin de garantir à la fois sa viabilité, mais surtout sa crédibilité, qu'elle mette sur pied des mécanismes susceptibles de garantir à la fois la prévisibilité et la pérennité du financement. En général, c'est la main qui donne, qui de l'index donne aussi des ordres. Donc, je crois que c'est une vérité axiomique ou axiomatique à laquelle on ne peut pas échapper. Donc, nous qui sommes ici au sein des ACP, nous réfléchissons depuis déjà beaucoup de temps quant à la meilleure manière d'assurer notre indépendance. L'un des chantres de cette idée, c'est précisément notre collègue de l'Afrique du Sud qui n'a de cesse de nous rappeler que si nous devons, comme nous le suggérons, comme nous le voulons, nous réinventer, nous devons aussi emprunter d'autres voies susceptible de nous conduire à une certaine indépendance, si tant est que l'indépendance aujourd'hui existe dans ce monde globalisé où c'est plutôt d'interdépendance qu'il faut parler. La notion de fiabilité financière, elle est très importante. Et je crois que ce que nous avons entendu va nous faire réfléchir davantage parce que nous avons besoin d'asseoir la crédibilité de notre organisation, du groupe ACP. Le président Ouédraogo nous a indiqué quelques pistes. Et je crois que cette piste est valable aussi, peut aussi susciter quelques intérêts de la part de nos collègues des Caraïbes. Le principe du prélèvement, des prélèvements communautaires peut-être constituer une piste pour nos amis, dans la mesure où il nous a été dit ici par M. Marie que beaucoup de difficultés d'ordre financier constitue le bloc contre lequel se heurte toute l'activité à la fois au sein du CARICOM et du CARIFORUM. Donc, merci Président Ouédraogo pour cet éclairage très utile. Maintenant, je voudrais m'appesantir quelques instants sur cette notion de paix que nous défendons tous. Comme il a été dit ici, vous rappelez, la paix est consubstantielle au développement. Paix et sécurité vont ensemble. Ce sont les doigts d'une seule main. Et je crois que nous savons qu'il est indispensable que cette paix existe, qu'elle soit préservée, qu'elle soit maintenue, qu'elle soit défendue pour pouvoir se pencher sur tous les autres problèmes de développement qui nous interpelle, qui interpelle nos États, individuellement et collectivement. Donc, quand j'ai voulu tout à l'heure rappeler cette phrase de Otto von Bismarck, je voulais tout simplement dire qu'on ne peut pas, dans une sorte d'autarcie, se développer. On ne peut pas, dans une sorte d'isolement, assurer sa sécurité.
il faut coopérer. Et cette coopération se fait au travers aujourd'hui d'organisations régionales ou sous-régionales. Je crois que c'est ce qui fait la force de la CEDEAO, par exemple, parce que c'est au travers de cette organisation que, par exemple, la paix dans mon pays est revenue. Et quand je dis la paix dans mon pays, j'y englobe aussi, j'élargis les frontières pour couvrir le territoire de la Guinée. Mais avant ça, il y a eu le Libéria, la Sierra Leone. Et je crois que dans la pratique, aux Nations Unies, on cite la CEDEAO comme l'une des organisations régionales les plus performantes et les mieux à même de répondre à cet impératif de coopération régionale en matière de maintenance, de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ceux qui sont familiers de la Charte des Nations Unies, et je crois que tout le monde l'est ici, savent quelle est l'importance qui est accordée au chapitre 8 de la Charte des Nations Unies, qui justement couvre cette matière de coopération régionale, et du rôle qui est dévolu aux organisations régionales pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Donc, je voudrais, en reconnaissant la pertinence des propos qui ont été tenus, me réjouir que nous puissions ici et maintenant avoir à l'esprit la nécessité de conjuguer nos efforts pour affermir davantage nos liens de coopération, de solidarité, pour pouvoir, en maintenant la paix et la sécurité, assurer notre développement. Je vous remercie. I'm going to give the floor to the South Center. Le South Center a la parole. Je vous remercie. À nouveau, je reprends la parole. Deux choses. D'abord, je voudrais réfléchir un tout petit peu avec vous autour de l'intervention de la SADC, dont j'ai trouvé qu'elle était très complète et excellente, vraiment. Et aussi la proposition qui a été faite de travailler sur les leviers que sont l'industrialisation et l'agriculture. Et l'aspect alimentation, nutrition, était très important également dans ce que nous avons entendu. Je voudrais simplement souligner que, en même temps que nous offrons comme proposition l'industrialisation, qui est essentielle pour la plupart des pays ACP, nous sommes quand même dans un contexte, dans le cadre des Nations Unies, de ce qu'on appelle les INDCs, les contributions nationales déterminées, dans lesquelles des promesses sont faites au sujet du carbone, des nutriments, de l'utilisation ou des émissions de polluants. Donc, sur tous ces éléments-là, il faut un jumelage, je crois, entre ce que l'on fait dans les CER, d'une part, et ce qui se passe dans les ministères de l'environnement. Parce que nous prenons beaucoup d'engagements, des engagements quant à ce que nous allons faire dans le recours moindre aux énergies fossiles, par exemple, mais qui ont des implications très fortes sur les stratégies dont nous parlons ici, assez naturellement, comme l'industrialisation, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour une sorte de collaboration, une plus grande articulation entre le niveau national, nos priorités, nos stratégies nationales, d'une part, et ce à quoi nous nous engageons de manière contraignante sur la scène internationale, sans savoir, ce qui est un facteur aggravant, sans avoir de certitude, dis-je, au sujet des financements, notamment. Et je voudrais aussi, en rapport avec la dimension paix et sécurité, que notre collègue n'a pas parlé du changement climatique. Mais le changement climatique, tous les scientifiques vous le diront, mais également tous ceux qui réfléchissent aux questions liées à la sécurité vous le diront aussi, le changement climatique est gros de beaucoup, beaucoup de conflits. Conflits autour de du foncier, de l'alimentation, en particulier en Afrique, parce qu'en Afrique, la productivité agricole, en raison du changement climatique, va beaucoup baisser. Et cela aura des conséquences non seulement sur l'alimentation, mais également sur le commerce. Le potentiel de conflit est extrêmement important. Et dans cette dimension paix-là, il faudra bien parler un jour du changement climatique aussi. Je vous remercie. Madame, vous avez la parole. Merci.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Secrétaire Général. Vous m'entendez? Bien. Je suis tout à fait d'accord pour dire que la paix est une exigence majeure. Je dirige International Bridges to Justice, les passerelles internationales vers la justice, et cela ne vous surprendra donc pas d'entendre de ma bouche que la justice est également une exigence pour qui veut la paix. Alors, on est en train de travailler les objectifs de développement, de paix dans le monde, tout cela est très excitant, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que les ACP ont trouvé la solution avant tout le monde, puisque vous avez déjà déclaré que l'accès à la justice était une de vos priorités. Et donc, en entendant ce qui a été dit ici, autour de cette table, pour faire de cette vision une réalité, je me suis dit, même pour le peu de temps que j'ai passé ici cet après-midi, que ce que j'ai entendu était quand même extrêmement important. On a parlé de la coopération sud-sud, de la coopération inter-ACP. C'est cela le chemin et c'est cela qui me rend si heureuse d'avoir été invitée à réfléchir avec vous à toutes ces questions-là, notamment à l'accès à la justice. Je vous remercie. Le Congo a la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais saluer le Président de la Commission de la CDAO, Monsieur le Président du Comité des ambassadeurs, Monsieur le Secrétaire Général. Je voulais dire que c'est toujours avec un grand plaisir et un grand honneur de recevoir les anciens de cette maison, et qui marque, ceci marque la fidélité qu'ils ont avec la maison ACP. Le président Wedrego Kadré, ancien de cette maison, ancien ambassadeur, aujourd'hui à la tête de l'une des organisations les plus importantes du continent. Je cite aussi l'ambassadeur de Trinidad et Tobago, que nous n'avons malheureusement pas connu, mais qui aujourd'hui refait surface dans cette maison, et bien d'autres ambassadeurs que je ne connais pas, à qui je présente mes excuses. Mais dans ce chapitre, je voudrais m'arrêter sur une personnalité très importante à mes yeux, le doyen Barry. Le doyen Barry, dans les années 90, nous autres, jeunes diplomates, nous venions ici, était en quelque sorte l'icône des ACP, que je le revois encore aujourd'hui ici avec son bâton. Vous savez, je suis touché, n'est-ce pas, pour revoir cette figure emblématique de cette maison. Et vous avez suivi avec quel brio, avec quelle pertinence il a posé les questions concernant l'avenir, concernant les ACP. Monsieur le Président, je voulais saluer et faire mienne l'intervention de mes préopinants, notamment le président Ouédraogo, lorsqu'il a parlé de la réussite du mode de financement de la CDAO. Vous voyez, le financement de nos communautés économiques et régionales, c'est évidemment la pierre angulaire, c'est l'épine dorsale, n'est-ce pas, de l'existence de ces communautés. Alors, je voulais saluer cette réussite de la CDAO et me tournant vers lui, dire ceci, simplement, que nous attendons, nous avons deux organisations CER, la CEAC et la CDAO, qui sont très proches. Il y a beaucoup de similitudes, disons beaucoup de similitudes de langue, surtout de l'histoire presque commune. Et nous attendons fiévreusement la réunion qui a été annoncée pour ces deux organisations. Et surtout les conclusions que cette réunion pourrait donner, car en fait nous pensons que ces conclusions pourront booster notre continent. On peut même se permettre de rêver, Monsieur le Président, lorsque nous voyons que ces deux communautés mises ensemble se mettent à travailler ensemble, pourquoi ne pas rêver de la grande Afrique qu'a parlé Kwame Nkrumah dans la région Afrique de l'Ouest et Lumumba en Afrique centrale. Je crois que tout cela va dans le cadre donc de la reconnaissance des conclusions de Lagos, les recommandations de Lagos. Monsieur le Président, je ne voulais pas être long
et dire simplement que cette expérience est attendue dans la mesure où aujourd'hui l'APE à la CDAO a été déjà est très très avancée. En Afrique centrale, à cause de certaines exigences ou certaines pesanteurs, nous n'avons pas encore pu signer. Bon, j'annonce aussi que le 19 juin, il y a une réunion du groupe de contact qui va avoir lieu avec l'Union européenne pour renouer le contact donc avec nos amis de l'Union européenne, afin que nous puissions suivre le pas de nos amis de la CDAO. Enfin, Monsieur le Président, c'était un peu les remarques que je voulais faire et dire simplement que nous attendons beaucoup de vous et c'est toujours avec plaisir de vous voir aujourd'hui présider à telles organisations. Nous vous avons vu récemment encore avec notre ami Chambas dans une des grandes réunions en Afrique de l'Ouest. Ça nous a fait beaucoup plaisir parce que nous savons que vous êtes les pendants de notre maison ACP. Je vous remercie. Thank you, Congo. We give the floor to... Merci. Je vais donner la parole à Madame de la Namibie. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Je voudrais saluer les ACP qui atteignent aujourd'hui l'âge de la majorité, 40 ans. Je voudrais dire toute ma reconnaissance, parce que 40 ans, c'est long. 40 années d'un voyage vers un objectif à atteindre. On n'y est pas encore, mais je suis sûr que l'on y arrivera. Ceci dit, j'ai des réserves. Je voudrais qu'il soit reconnu les contraintes et les défis auxquels sont confrontés les pays ACP à tous les niveaux. Parce que c'est vrai, l'Europe ne veut peut-être pas que sa capacité de production soit à la disposition des ACP ou que ce même niveau existe dans les pays africains, mais tout de même. Je voudrais parler, par exemple, de ce que j'ai remarqué. Tous les pays ACP voient leurs États, leurs présidents conduire des voitures de marque européenne, des Mercedes pour la plupart. Pourquoi? Je crois qu'il est temps aujourd'hui que nous nous définissions par rapport à nous-mêmes maintenant. Les Mercedes-Benz, ça nous coûte très cher. Il faut que nous nous dotions nous-mêmes de nos propres capacités de production. Pourquoi ne pas en produire chez nous? Bien sûr, nous avons les téléphones mobiles, la Chine, les États-Unis, la Corée du Sud en produisent. Mais il faut que dans nos perspectives d'avenir, nous aussi, nous nous disions, nous sommes une économie de consommateurs simplement, il faut aussi que nous produisions par nous-mêmes tous ces biens. Ce que je veux dire également, c'est que 40 ans, certes, c'est beaucoup, mais quand je regarde l'histoire des Israélites, partis d'Égypte, où ils ont beaucoup souffert, ils sont partis en exil pendant une quarantaine d'années aussi. Et leur leader, Moïse, est parti, un autre leadership a dû émerger. Eh bien, je crois que là également, une nouvelle génération doit arriver, doit intervenir pour démolir ce qui doit l'être et conquérir la terre promise des ACP. Mais dans cette terre promise, il y a des géants qui sont là, des géants que sont la corruption, l'oppression contre les femmes, les abus de ressources publiques à des fins de consommation personnelle, l'analphabétisme, le trafic des êtres humains, les stupéfiants, les problèmes qui assaillent la jeunesse. Ce sont là les géants qui occupent aujourd'hui la terre promise des ACP. Alors il faut qu'un Josué arrive, courageux, fort, avec toute une génération derrière lui pour nous aider à conquérir la terre promise. Je vous remercie. We give the floor to... Bien, nous allons donner la parole à présent à Monsieur Zondi. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président.
J'ai une petite question simplement à poser. Et je voudrais l'adresser au président Ouédraogo. Je crois que c'est un rappel à la réalité, vraiment, que d'entendre qu'il y a des régions qui aujourd'hui réfléchissent à ce qui pourrait être fait dans notre continent lui-même pour mobiliser nos propres ressources. Il y a tellement de liquidités qui passent et repassent à notre barbe, dans le transport international, aérien, maritime. Transporte beaucoup de biens, beaucoup de services, passe également dans nos cieux, sur nos mers, et nous n'en tirons aucun profit. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps malheureusement pour m'étendre là-dessus, mais je crois qu'il y a là des opportunités extrêmement importantes pour les ACP. Et puis, il y a la coopération Sud-Sud, et moi je vois cinq manières de nous appuyer sur elle. D'abord, des marchés financiers supplémentaires pour rechercher des ressources pour notre développement. Ensuite, des marchés d'investissement dans lesquels on pourrait encourager notre secteur privé à s'approvisionner. Et ensuite, le renforcement des capacités. Quatrièmement, je vois des partenariats publics entre des entreprises nationales, publiques de nos pays. On voit des exemples intéressants, notamment en Angola. Et puis, il y a la question humanitaire. Donc, du point de vue de la CEDEAO, j'aimerais savoir, quand vous parlez de coopération Sud-Sud, de quoi s'agit-il dans votre esprit? Qu'est-ce que vous jugez le plus utile comme mode de coopération Sud-Sud, de votre point de vue? Sachant que les pays en développement, les économies émergentes, sont aujourd'hui les seules économies qui connaissent une croissance significative dans le monde, et connaissant les besoins qui sont ceux de la plupart de nos pays, je me demande si vous ne voyez pas là également des niches, des possibilités. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et permettez-moi, avant d'aller plus loin, de redire ma gratitude à tous ceux qui se sont exprimés pour les mots aimables qu'ils ont eus pour notre organisation et aussi pour notre région. Avant de répondre à la question spécifique qui m'a été posée, je voudrais revenir brièvement sur les questions de paix et de sécurité. Pour dire que nous convenons tous qu'il n'y a pas de développement ou de perspective sans paix et sécurité. C'est la raison pour laquelle notre responsabilité première est de faire en sorte que la paix, la sécurité et la stabilité prévalent dans nos régions. C'est une des missions principales de la CEDEAO et jusqu'à présent, elle s'en est acquittée parce que son existence a permis de résoudre les crises, parfois même de les prévenir. Et en tout cas, d'établir la démocratie, la liberté, le respect des droits humains au centre de toutes les initiatives de développement, créant donc un environnement favorable au développement humain et au développement tout court. Donc ceci est très important, mais il est important de noter que la paix et la sécurité ne sont pas l'affaire d'un seul pays ou d'une seule région. Il faut une coopération internationale. On l'a vu récemment avec les défis auxquels nous avons été confrontés. Nous, en Afrique de l'Ouest, nous avons eu le défi de la crise terroriste au nord du Mali que nous avons eu à affronter. Nous avons actuellement la crise de Boko Haram au nord-est du Nigeria que nous devons affronter. Mais nous avons aussi le défi de l'insécurité dans le golfe de Guinée, l'insécurité maritime. Mais dans tous ces cas, nous avons bénéficié de l'excellente coopération internationale qui nous a permis de venir à bout de ces fléaux. La crise au nord Mali est contenue. La crise de Boko Haram est en train de faire des progrès avec la force multinationale que les quatre pays du bassin du lac Tchad ont décidé de mettre sur pied, appuyés par l'Union africaine et les Nations unies. Et je profite pour adresser mes félicitations à ces quatre pays pour la lutte résolue contre ce fléau qu'est Boko Haram. Alors, pour ce qui concerne la question que mon cher frère et ami, l'ambassadeur du Congo, a posée, et que j'ai plaisir d'ailleurs à retrouver, c'est quelqu'un dont je mesure très bien les qualités et que j'apprécie beaucoup. Alors, pour répondre à votre question,
l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest coopèrent étroitement dans les questions de paix et sécurité. C'est vrai, nous avons prévu un sommet conjoint des deux régions à Malabo. C'était prévu pour le 8 avril. Mais le sommet a été reporté uniquement en raison des élections qui ont eu lieu au Nigeria. Mais nous pensons que maintenant que ces élections sont passées, les deux régions vont se rejoindre pour que nous puissions organiser ce sommet entre les deux régions. Les deux secrétariats, nous avons déjà travaillé, nos documents sont prêts. Nous n'attendons plus que la bénédiction de nos chefs d'État et je pense que ça sera pour bientôt. Je voudrais rappeler également que nous travaillons avec la CEAC en matière de lutte contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée. Nous avons eu un sommet extraordinaire à Yaoundé en 2014 où nous nous sommes penchés sur cette question et actuellement nous sommes en train de mettre des structures efficaces pour faire baisser les risques d'insécurité dans le golfe de Guinée. Et cette lutte est en train d'avoir vraiment beaucoup de succès. Alors c'est dire que mon frère Alami et moi, nous correspondons très étroitement et nous nous verrons certainement la semaine prochaine à Johannesburg, au sommet de l'Union africaine, puisque les communautés régionales ont pour habitude d'y assister. Donc ce sommet viendra. Alors maintenant, pour ce qui concerne la coopération Sud-Sud, c'est vrai que pour nous, en Afrique de l'Ouest, nous attachons beaucoup d'importance à la coopération Sud-Sud, que ce soit d'abord en matière de commerce. Nous devons privilégier les relations commerciales entre nous, parce que c'est la meilleure façon de développer notre compétitivité et d'être capable de compétir avec les autres régions, les pays les plus développés. Alors, nos technologies sont proches, nos histoires sont plus proches, et nous pensons que c'est une source infinie, par exemple, de développement de commerce entre nos régions. Il y a également le domaine du renforcement des capacités, sur lesquels la coopération Sud-Sud est très importante. Je citais dans mon intervention l'exemple de Cuba. Nous travaillons avec Cuba pour l'éradication du paludisme en Afrique de l'Ouest par la production de biolarvicides, qui est un projet qui importe et intéresse les pays Sud-Sud, alors que les grands pays privilégient l'approche des produits pharmaceutiques, bon, qui sont très chers, qui sont très coûteux, alors qu'on peut éliminer la malaria par des biolarvicides. C'est ce que nous faisons avec Cuba et Venezuela également, puisque c'est une coopération tripartite, Afrique de l'Ouest, Cuba et Venezuela, pour éradiquer le paludisme en Afrique de l'Ouest. C'est un exemple de coopération en matière de renforcement de sécurité, en matière de santé, que nous pouvons réussir entre nous en termes de coopération Sud-Sud. Alors, il y a également des programmes d'industrialisation, où il y a des technologies adaptées en Afrique, dans les coopérations Sud-Sud. Quand vous prenez des pays comme l'Inde ou la Chine, ils ont des technologies faciles à utiliser, qui se rapprochent de nos environnements nationaux et qui permettent très rapidement de nous enclencher sur le développement industriel. C'est pour ça que nous devons protéger cette coopération Sud-Sud, en n'ignorant pas, bien sûr, la nécessité de nous ouvrir sur le monde entier, mais nous devons donner la priorité à cette coopération Sud-Sud. Je profite pour terminer pour dire que dans les négociations de l'APE que nous avons menées avec l'Union européenne, nous avons dit notre priorité numéro un, c'est d'abord, un, l'intégration régionale, deux, la création d'un marché régional viable et compétitif, avant d'ouvrir ce marché au reste de nos partenaires. Et trois, la dimension développement de ces accords, sur lesquels nous ne pouvons transiger, parce que les APE ne réussiront pas s'ils sont vus comme un simple accord commercial. Ils doivent être vus comme un accord de développement. Et nous devons insister sur cette dimension de développement, et c'est ce que nous avons fait dans les négociations de notre APE régional avec l'Union européenne. Voilà, Monsieur le Président, les quelques remarques que je voulais faire en réponse donc aux commentaires qui ont été faits autour de la table. Et je remercie les uns et les autres pour votre bienveillance et votre coopération. Well, this brings us... Eh bien, cela nous amène à la fin des interventions de nos orateurs. Ces discussions arrivent à leur fin. Je suis certain que vous ne vous attendez pas à ce que je vous fasse un résumé de tout ce qui a été dit. J'aimerais dire que nous, dans le groupe ACP, toutes ces questions qui ont été soulevées nous touchent d'une manière ou d'une autre. Et l'objectif est de trouver la façon de faire profiter à tous les membres de notre groupe
de ce qui a été évoqué. Je le dis car 40 ans se sont écoulés, maintenant nous sommes à la 41e année, nous devons changer notre façon de travailler, nous devons faire en sorte que nous pouvons faire en sorte que les 40 prochaines années soient meilleures que les 40 précédentes. Bien entendu, nous devons également réfléchir à si nous voulons poursuivre le partenariat que nous avons pour le moment avec l'Union européenne depuis le début. Et bien entendu, comme je l'ai dit dans mes remarques liminaires, nous avons un groupe sur les perspectives futures du groupe qui a rédigé son rapport. Nous espérons que vous le lirez car il contient des recommandations fascinantes. Nous nous réjouissons également que le groupe des personnalités éminentes nous fasse part de ses points de vue. Nous voulons avoir une discussion intéressante, mais nous voulons également voir comment nous pouvons mettre toutes ces recommandations en pratique. Comment mettre ces idées en pratique. Et si nous y parvenons, nous obtiendrons un véritable niveau différent de développement. Je vous remercie d'être venu. Merci d'avoir participé à cette célébration du 40e anniversaire. Ce n'est pas fini. Demain, nous aurons un deuxième volet de ces célébrations. Et ça commence à 10h demain matin. Nous espérons vous voir nombreux. Et avant que j'en termine, je donne la parole à notre secrétaire général pour la conclusion. Merci infiniment, monsieur le modérateur. Nous voulons vous remercier d'avoir dirigé nos travaux. Nous voulons vous faire part de notre reconnaissance. Et nous voulons poursuivre les discussions demain. Nous espérons pouvoir compter par votre présence. Une discussion qui aura lieu demain sur l'avenir du groupe ACP, ce que le groupe ACP sera à l'avenir. Nous sommes très heureux d'évaluer tout ce que nous faisons. Nous voulons passer au peigne fin tout ce que nous réalisons comme action. Nous voulons regarder vers l'avant, vers les 40 prochaines années, comment faire en sorte que les prochaines générations profitent du travail que nous avons abattu. C'est pour cela que demain est une journée importante lorsque nous aurons nos discussions sur les partenariats que nous forgeons, le Brésil, nous aurons l'Inde qui sera présente, donc nous pourrons étudier quels sont les nouveaux domaines de diversification, comment pouvons-nous au mieux servir nos pays, les piliers sont les piliers régionaux sont fondamentaux. Maintenant, les régions donnent une dimension qui n'était pas présente à l'époque, hein, en 1975, lorsque nous étions donc dans l'ombre du mouvement des non-alignés. Avec le renforcement des processus régionaux, de l'intégration régionale, des stratégies régionales, se manifeste. Et ce sera des piliers sur lesquels nous devons nous appuyer pour continuer notre dialogue et nous devons mettre tout cela en pratique. Nous aurons le temps demain de poursuivre ces discussions et d'apprécier les richesses du groupe ACP. Madame la maîtresse de cérémonie, qu'est-ce qu'il y a à la suite de notre ordre du jour? All the way from the South Pacific, we have the ukulele player. Maintenant, les du Pacifique, les joueurs de ukulele. Donc, instrument du Pacifique. Et cela veut dire sauter, s'il vous plaît. Appréciez les mélodies agréables du Pacifique. Nous comptons parmi nous Atisamft, accompagné de Fatia du Tuvalu. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir. If anyone knows the song or the words, please feel free to sing along.
Thank you.
Palaobito. Wow. Okay, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, c'était une danse traditionnelle du Tuvalu. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été présents. Maintenant, nous vous dirigeons vers Wolubilis pour poursuivre les célébrations culturelles. Donc, il y a. Nous vous voyons là-bas. Vous êtes les bienvenus, merci. You have some papers